Ça va, Goldou? Bonsoir, la rediff. J'ai braillé. Comment ça va-t-il? J'attends un peu que les gens arrivent. J'ai un peu lancé tard le live. Mais bon. C'est pas grave. Il y a des gens, ils me retweetent. Je sais même pas qui c'est. Enfin, je veux dire, ils me suivent pas. Et en plus, c'est des Anglais. Bon, je vais pas me plaindre hein, d'être tweetée, mais c'est juste bizarre. Bref. Coucou mon frère, comment ça va? Bonjour! Et regardez, mes cheveux, ils sont super longs. Quand ils sont lisses, ils m'arrivent là. J'ai jamais eu les cheveux aussi longs de ma vie. Voilà. C'était très intéressant, n'est-ce pas? Je vais prévenir les gens que ça commence. Parce que ils sont un peu longs à la détente. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Dites-moi tout. Hop. Ah oui, mais c'est vrai, je suis con. Je dis à Brest que ça commence, mais elle m'a dit qu'elle serait en retard. Gneu, gneu. Deux de tense. J'ai fait de la deux chevaux. Trop bien. Une vraie ou une tunée? Regardez, là, il y a le gros qui dort. Là. Cette boule grise, c'est mon chat. Non, une vraie. Trop bien. C'est trop bien, ça. Coucou Samantha, comment tu vas? Ça fait longtemps. Enfin, longtemps. Ouais, quand même. Comment ça va-t-il? Ça ne veut rien dire, ça. Hein? Comment ça va-t-il? Mais j'aime bien le dire. Voilà.
J'ai perdu mon Nvidia. Il est là. Pourquoi t'es entourée, Samantha? Coucou mamie, ça va? Je me demande pourquoi t'es... Ah, c'est peut-être ton premier message. Non, t'es déjà venue. Moi, je sais pas. C'est à cause du taf. Ah bah oui, c'est vrai. Si tu travailles la nuit ou tôt le matin, ouais, je comprends. Ça va, je suis claquée, je sais pas pourquoi, c'est super. La meuf fout rien de la journée, elle est fatiguée. C'est quand même honteux. Franchement, si j'étais vous, je me désabonnerais parce que là, et j'ai maigri des bras, hein, on dirait. Mais en fait, il y a que moi qui ai l'impression de maigrir, mais je pense que j'ai un problème. Je me vois plus maigre que je ne suis. Je viens de recevoir ton texto, très bien. Tu vas pouvoir y répondre du coup. Oh là 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 là, il faut absolument que vous voyez cette pauvre bête. Pauvre bête. Oh, mais il y a le deuxième là. Pouit. Pouit, pouit. Ça va, mon bébé? Oh, les pauvres bêtes. Les pauvres bêtes. Oh, bah oui. Bah oui. Bref. Chat malheureux. J'avais pas vu qu'il y avait Bibou. Les horaires différentes. Ah oui. Bah c'est chiant ça. Enfin c'est chiant. J'en sais rien si c'est chiant. Mais je sais pas. Ça dépend des personnes, je pense. Il y en a, ça va. Et il y en a d'autres. Ils doivent avoir besoin d'un rythme régulier. Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien vu que je suis une sale connasse qui travaille pas. Voilà. Connasse. Handicapée de merde. Faut nous brûler, hein. Quand est-ce qu'on rouvre un camp pour nous brûler, là? Quel enfer. Coucou, Osk. Fait 5 minutes que je live, je dis déjà de la merde. Oscar, t'arrives toujours au bon moment. Le sujet glisse. Bah quoi? Je suis un déchet de la société, non? Vous payerez moins cher. Non, en fait, c'est faux. Vous payerez autant d'impôts, hein. Il y a une rotation que j'aime pas, mais le reste, ça va. Tu fais quoi déjà, Samantha? Tu l'avais déjà dit ou pas? Après, t'as peut-être pas envie de le dire. Mais j'ai un doute. Je me demande si tu l'avais déjà dit. C'est pas toi qui travaille à EDF ou un truc du style? Non, c'est qui? Oh, je confonds tout le monde, je suis désolée. Déjà, je me souviens pas de ce que je mange. Bref, oui, c'est ça. Ah, bah ça va alors, j'ai pas une mémoire si nulle. Mais tu fais quoi pour tourner tout le temps? Enfin, c'est pas un truc fixe? Après, il doit sûrement y avoir plusieurs. Putain, j'ai perdu le mot, ça me saoule. Pff, plusieurs postes. C'est un prestataire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, moi je n'y connais rien. Apprends-moi à être moins stupide. Enfin, à élargir ma culture. Voilà, ne dites pas que vous êtes bête. Dites, apprends-moi à élargir mon savoir. Un prestataire, hein? Non mais ça fait quelques jours que je parle comme ça, c'est insupportable et je m'insupporte moi-même, mais en même temps ça me fait beaucoup rire. Mais oui, bien sûr. Ça c'est depuis qu'on est allé voir Élémentaire avec Ruru au ciné. Et il m'a dit, oh, il y a une dame qui ressemble à la fille qui a dit, c'est la décadence, hein. Depuis, j'arrête pas de parler comme ça. Ah ok, tu travailles pas pour EDF, mais en gros c'était une filière rattachée ou un truc comme ça, enfin, bon, c'est un peu abstrait, hein. C'est abstrait. Bon, j'ai enfin changé de t-shirt, voilà. Pour ceux qui se demandent, est-ce que Lupina se lave? Oui, une fois par semaine. Si j'ai pas la flemme. Donc, j'ai changé de t-shirt. Parce que la semaine dernière, j'ai fait trois lives. J'avais trois fois le même t-shirt. Je me suis dit, au bout d'un moment, ils vont se dire. En vrai, j'en ai rien à secouer, mais ça me fait rire.
Est-ce que Lupina se lave? Bon, deux fois, quand elle a pas la flemme. Voilà. Ah, ça dépend. Ça dépend de plein de trucs, mais c'est vrai que je passe pas ma vie sous la douche, quoi. Après, j'ai envie de dire, tant que les bras et la nénette sont nettoyés, ça va, quoi. Bref, on va arrêter là parce que je vais vous dégoûter. C'est un sujet qui glisse pas, du coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de savon. Ah, ok. Ah oui, tu fais les trucs chiants, en fait, Samantha. Répondre aux réclamations des gens. Oh, putain. Oh, ce que ça doit être relou. C'est dégueulasse. En vrai, elle se lave, rassurez-vous. Oui, bah oui, bah oui, des fois. Je me lave les dents, c'est déjà bien. Non, en vrai, je pense c'est mes cheveux que je lave le moins. Parce que j'aime bien leur faire des cures de sébum, parce que c'est bon en fait pour eux. Alors, comme je sors pas, c'est pas dérangeant, tu vois, de ressembler à rien avec les cheveux gras. Donc, quand je sors, je fais un effort, mais dès que je les lave, ils ressemblent plus à rien. Ils font paille. Vous voyez la botte de paille? Bah, c'est mes cheveux quand je les lave. Coucou Missou, comment tu vas? Certains oui, d'autres non. Ouais, bah, je pense bien. Heureusement qu'il doit y avoir des clients tranquilles. Qui sont gentils et tout, et compréhensifs et polis et patients, mais il doit y en avoir. C'est pas un travail pour moi, je pense. Éclaté, mais ça va. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, Missou. Je suis allée à la pharmacie, et toutes les pharmaciennes étaient. Je suis arrivée, il n'y avait personne. Toutes les pharmaciennes étaient en train de jacter et de se marrer. Du coup, j'ai trouvé ça trop cool. Je suis allée voir une dame pour qu'elle me serve. Et à ce moment-là, j'ai mon hosto qui m'appelle. Je fais, ah bah, désolée, je dois répondre. Et comme il y avait des gens qui rentraient à ce moment-là, je fais, bon, bah, prenez un autre client le temps que je passe mon appel, parce que sinon, ils vont me faire chier, c'est mon hôpital, machin. Ouais, bah, après, j'ai attendu 1 heure. Mais ça m'a fait penser à toi, parce qu'il y avait une dame qui rangeait des médicaments et j'ai trouvé ça trop cute. Bref. Mais elles sont gentilles, les pharmaciennes. Et le pharmacien. Il y a un garçon. Il y a un garçon. Il faut le noter. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je sais plus. Pff, ça devait pas être très intéressant. Oui, je peux vous parler de mon résultat de prise de sang, mais je pense qu'on s'en branle un peu. Donc, si on commençait, parce que vous êtes venus à la base pour voir des Sims, pas pour me voir raconter ma life, je suppose. J'ai l'impression que mon trou, il est moins profond, mais c'est qu'une impression. Voilà. Chez toi aussi, il y a un mec trop sympa et mignon. Alors, désolée, je tousse. Parce que, en fait, à chaque live, comme je parle quasiment pas de la journée, à part un ruru, évidemment, je suis pas non plus une meuf dans sa caverne ou à mes chats, je parle pas beaucoup. Et quand je commence mes lives, ça remonte mes glaires. Voilà. Bon appétit si vous mangez. Bah, il est pas spécialement mignon, le pharmacien. Enfin, je sais pas, j'ai pas fait gaffe, en fait. Par contre, les meufs... Ça suffit. Miam, miam. Un bon glaire, sa mère, là, une bonne huître. D'ailleurs, bonne nouvelle, ils ne sont plus verts. Voilà. Vous êtes contents, hein? Ils sont redevenus couleur normale. Je sais pas ce que je me suis chopée quand... Quand vous étiez là, mais c'est passé. Bah, tant mieux, hein, on va pas chialer. Bon, sur ce, elle n'est plus infectée. Ouh, ça veut dire que mes défenses immunitaires marchent et ne tèchent pas mes poumons. Voilà. Hein. Merci Enrico Louisette, restez. Merci. Ah oh, Missou. Bref, les Sims. Alors. Ah bah génial, ça marche pas, si c'est bon. Hop. Voilà. On se met comme ça, on est bien, on est beau. Le projet... Ça va, je rigole. Non mais t'inquiète, Missou. Le projet de cette année, ou de ces futures années, ça va être... Alors, déjà, disclaimer, je ne sais pas si je vais le tenir jusqu'au bout. Pardon, je ne sais pas si je ferai à chaque fois des lives dessus. Donc si j'attendrai de faire des lives pour continuer le truc, ou si je vais marcher selon l'inspi. Le projet,
C'est de relooker tous les PNJ, PNJ de toutes ces putains de villes. Ça va être long. Et de rénover leur baraque. Et éventuellement, si j'ai l'inspi et le courage, de rénover les autres trucs. Alors, ce que je veux dire par rénover, c'est que... je vais arrêter de gueuler déjà pour commencer. Oh putain, j'avais oublié que Cassandra était devenue marron. Excusez-moi, hein, mais Vlad, il est blanc cul, Sonia, elle est bronzée et l'autre, elle est marron, quoi. Ça me perturbe. Bon, bref, je sais plus ce que je disais. La génétique. Bon, mais apparemment, parce que c'est notre projet, exactement. Apparemment, les métis se savarient. Hein. Ils sont, voilà. Ils sont pas égales tout au long de leur vie. Enfin, pas tous, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc la génétique des fois nous fait un doigt, comme ça. Voilà. Donc cette série s'appellera R&R, Rénovation et Relooking. C'est chercher loin, n'est-ce pas? R&R, ça me fait rire. Oui, j'ai 3 ans. Alors, il y a des familles que je connais même pas, tellement j'ai pas joué avec. Genre, je suis à peu près certaine que ceux de Endonford, j'arrive pas, Endonford on Bagley, d'écologie, et j'ai même pas le nom de sa ville, tellement j'en ai rien à foutre. Pourquoi l'écran est. Ah, si, c'est bon, ok, c'est bon, l'écran est bien. R&R, le nouveau projet. Bye Lupina. Avec une voix de pub de parfum, tu sais, la voix off de parfum. R&R. Macron! Explosion! Cette vidéo me fait trop rire à chaque fois. Bientôt sur vos écrans. Oh oui, bébé, continue. Vous êtes con. Bon, qu'est-ce que je disais? Oh, il y a des PNJ, je les connais même pas. Genre, j'ai dû les croiser et voilà, rien à foutre. Donc, il y en a plein qu'on va découvrir, je pense. Enfin, que je vais découvrir. Par contre, il y en a que je connais bien, que j'ai possiblement un peu malmené dans certaines de mes parties. Non, pas RER. RER. Avec un E machin, là. Je sais plus comment il s'appelle. Comme ça, là. Je sais plus quel est le nom de ce signe, mais ça veut dire et. Parce qu'on est des kikous, nous. Donc, je vous propose qu'on commence par le début. Merci, merci Loupi. Sauf si vous voulez qu'on commence par autre chose, mais je vous avoue que je suis un peu plus motivée à faire Willow Creek, enfin, commencer par Willow Creek. Après. Si vous voulez vraiment autre chose, on peut commencer par autre chose. Autre chose, donc à faire. C'est vous qui choisissez pour ce premier épisode, voilà. Vous avez le choix. Avec tous ces putains de monde. Alors je cache Cooper, Nansan Segoya et Cooper Dell à moitié, mais ils sont là, quoi. Modo, pas en carton, coucou Brézou. Je n'ai que 17 minutes de retard. T'inquiète, t'es moins en retard que Kiki. Ça existe des Sims trafiquant d'armes? Je pense qu'il y a un mode pour. Ça ne m'étonnerait pas. Il y a un mode extrême violence. Tu peux tuer des Sims et les découper à la tronçonneuse. C'est assez rigolo. J'en sais rien, je choisis n'importe quoi. Commence par le début. Très bien. Bon, alors, maintenant, j'ai besoin de votre avis. Parce que dans ce quartier, il y a 4 familles. Donc on a Spencer, Kim, Lewis. J'ai aucune idée de qui c'est. Je connais leur gueule, mais je connais pas leur histoire. Il y a les connards de gothique qui ont été. Bref, je vais pas faire de blagues. Il y a les pancakes et il y a les meilleurs amis pour la vie. Alors on peut lire un petit peu leur histoire. Comme ça, après, vous allez voter. Alors, les Spencer, Kim, Lewis. Voilà le topo. Denis, Kim,
Denise Kim et Lydia Spencer ont eu une fille, Alice Spencer Kim. Putain. Avant de divorcer, d'accord, Alice a épousé Eric Lewis, avec qui elle a eu une petite, Olivia Kim Lewis. Ils vivent tous les trois avec le père d'Alice, Denise, vous vous souvenez, et la mère d'Eric, Viviane Lewis. Quoi ? Personne n'a dit que la vie de famille était simple. Ok, donc en gros, c'est un couple qui vit avec la mère du type et le père de la meuf. Ça va être sympa, ça. C'est... Ouais. Ok. Pourquoi pas. Les gothiques, mes préférés. Non, mais c'est pas possible. Bref, excusez-moi. Je vais pas m'en remettre. Je vais pas m'en remettre de leur gueule. Attends, mais sérieux. Elle est plus foncée que sa mère. Tu l'as eu avec le facteur, Sonia ? Pardon. Les gothiques sont une famille aristocratique, à l'aura triste et ennuyeuse. Entre les histoires macabres écrites par Vladimir et les mystérieuses disparitions de Sonia, Cassandra et Alexandre deviendront-ils moroses une fois adultes ? Waouh ! Ah, c'est la joie, hein. Ah, c'est... Wouh ! Pump it up, hein. Ensuite, les pancakes. Bob et Elisa. Pauvre, pauvre Bob et Elisa. Ont-ils été heureux un jour ? Aucun des deux ne parvient à intéresser l'autre. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble ? Qu'est-ce qui les pousse à rester ensemble ? Qu'est-ce qui les sépara finalement pour de bon ? Elle était plus belle avant, Sonia. Ouais. Ouais, ils l'ont... Elle fait vieille, en fait. Alors que pour moi, tu vois, c'est plutôt une riche avec un mec plus vieux. Une jeune riche avec un mec plus vieux. Enfin, c'est très cliché, mais... Après, peut-être qu'ils s'aiment et tout, hein. Mais de toute façon, on va les relooker. On va les... On va leur faire une petite chire. Et enfin, la dernière famille. Je fais beaucoup de bruit de bouche, genre... J'espère que ça vous saoule pas. Moi, ça me saoule. Meilleurs amis pour la vie. L'intrépide Liberty, la joyeuse Summer, et le geek Travis sont des amis improbables que rien ne peut séparer. Sauf peut-être les sentiments que développent Summer et Liberty pour Travis. Un petit triangle amoureux, voyez-vous. Massacré, ils l'ont massacré. Ok, donc ce qu'on va faire, est-ce qu'un de mes petits modos peut me faire un sondage et vous voter pour l'une des quatre maisons, enfin des quatre familles par qui on commence. Je pense qu'on aura le temps d'en faire qu'une ce soir, sachant qu'il y a le relooking, et après je relook la baraque, donc ça va prendre un temps... moi je me tâte, en vrai, pour le moment, les deux qui m'intéressent le plus, ça serait... Enfin, qui m'intéresse. Elisa et Bob, j'ai surtout envie de les jouer parce que j'ai des idées machiavéliques. Alors, les familles, mon petit chou. C'est Spencer Kim Lewis, tu notes SKL, hein, parce qu'on va pas se faire chier. SKL ou les gothiques ou pancake ou BBF. C'est BFF plutôt. Je vais toujours dire BBF, mais c'est BFF. Le vote va s'afficher en haut de votre chat, normalement. Pensez à voter. Voilà. Alors, par qui on commence ? Vous avez le chat. Meilleurs amis, Spencer, Pancake ou Gothique ? Donc, allez-y, votez. J'ai pas mal d'inspi pour les gothiques niveau de leur maison, parce qu'avec la sortie du pack vampire et tout ça, il y a vraiment plein de trucs. Je pense qu'on peut vraiment leur faire la maison de la famille Adams. Mais je déteste cette famille. Voilà. Après, une petite chire leur ferait pas de mal. Mais j'étais en train de le faire. Oh là là, l'ego des modos. Bob et Elisa, j'ai pas spécialement d'idées, mais j'en ai pour leur gameplay. Oh, j'ai déjà des idées horribles, hein. Les meilleurs amis, j'ai pas spécialement d'idées pour rien du tout. Et SKL, là, non plus. Mais on va voir. De toute façon, c'est vous qui... 1, 2, 3, c'est vous qui votez.
En plus, Braise, t'as fait le sondage, c'est dégueulasse, c'est mal écrit, il n'y a pas de majuscule, c'est honteux. Honteux! Pauvre Braise. Chier. Aïe, aïe, aïe. Pensez à voter. Vous êtes quatre à avoir voté. On est 11. Tout le monde peut voter, hein, normalement. Même les modos et tout. Hein. Même moi, je peux voter. Ce qui ne servirait pas à grand-chose. Pour le moment, on a deux pour les meilleurs amis et un pour Spencer et un pour les gothiques. Moi, j'avais mis les mages. Je dis ça, je dis rien. Non, mais à chaque fois, Oscar et Braise, ils font un combat d'ego. Ça me fait trop rire. Bon, la prochaine fois, mettez-vous d'accord sur qui fait les sondages. Hein, vous battez pas. Hein. Allez, on vote, s'il vous plaît. Quand ça me dit 11 spectateurs, il y a 4 gens qui ont voté. Comment se fait-ce? Peut-être si vous... J'ai voté, j'ai une bonne abo. Oh là là. Si vous actualisez le chat, peut-être que ça s'affichera. Avec un F5, parce que des fois, Kik est un peu lent. Mais mamie, il n'est pas modo. Miss. Mamie n'est plus modo depuis un moment. Hein. Ça ne l'intéressait pas. Ah merde. Va falloir que tu te battes aussi pour garder ta place. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, les pauvres chatons. Oh là là. Petit chat malheureux. Je vote pour mamie quand même. Oui, bah si tu peux voter pour une des familles, ça serait déjà bien. Sauf si tu l'as déjà fait, dans ces cas, pardon. Dans ce cas, moi je vote pour moi. Alors, tu n'es pas dans le sondage, Braise. Il y a toujours quatre gens qui ont voté. Bah, je suppose que c'est vous quatre. Si les autres personnes peuvent voter, ce serait très gentil. C'est ça. C'est con sur... comment ça s'appelle? Sur Twitch, je pouvais voir le nom des gens qui étaient cachés. Là, on ne peut pas les voir. Peut-être plus tard. Merci Samantha. Mais alors, qui c'est qui a pas voté? Il manque un vote. Si vous me dites que vous êtes 5 à avoir voté, et là, j'en vois que 4. Elle me frelou. Bon, déjà, je vais mettre les codes. Voilà, comme ça, on pourra vraiment leur faire une chire. Mamie n'a pas voté. Bah, mamie. Mamie. Faut voter. Mais enfin. Je viens de nettoyer, mes putains de lunettes, elles sont déjà dégueulasses. Incroyable. Mamie. Quel sale gosse. Non, bah, je sais pas. Bon, de toute façon, il reste 2 secondes. Ça semble être. Bah, c'est les meilleurs amis. Donc, on va commencer par eux. On va aller les relooker parce que là. Oh non, mais le. Le style de Liberty est. Voilà. Alors, Travis. Bon, il est pas si moche, hein. Par contre, pourquoi ses sourcils ne sont pas de la même couleur que ses cheveux? Ça va, niveau physique, bon, c'est pas un canon, mais c'est pas non plus un laidron, quoi. Par contre, les sourcils, il n'y en a pas des mieux parce que là, ils sont trop courts, oh, ça me perturbe. Oh là là, j'aurais peut-être dû laisser les cours en fait. Ah. Mais là, les sourcils qui tombent comme un chien battu.
Les chiens n'ont pas de sourcils, mais c'est pas grave. Vous avez compris ce que je veux dire. Oh, ça va pas du tout. Oh là là. Calimero. Oh, cette gueule. Oh, la tronche. Ouin, ouin. Attends, on lui met la bouche comme ça, puis c'est bon. Ouin, ouin, je suis si triste. Le monde est cruel. Il avait la bouche normale. Bref, j'en étais où, moi? Non, mais les sourcils sont pas possibles, hein. Oh mon Dieu. Ça va. Ouais, bon, ça va. On va pas trop chercher. Par contre, vraiment, ce blond est dégueulasse. Est-ce qu'un autre pourrait être plus joli? Parce que ça, c'est pas possible, ça. Cette couleur, les gars. Vous avez déjà vu des gens avec cette couleur de cheveux, pour de vrai? Parce que moi, jamais, hein. C'est pas terrible, hein. On va lui faire les cheveux blonds foncés. Non, je sais pas, ça lui change sa gueule. C'est trop bizarre. Non mais, des cheveux naturels. Pas parce que avec une coloration, tu peux certainement avoir cette couleur, mais... Mais les blonds sont moches, hein. Leur blond, là. À part lui. Tiens, on va lui mettre celui-là. Il est un peu plus swag. Alors... Swag, putain, ce mot. Je me désespère. Est-ce qu'on lui change totalement la gueule ou est-ce que on le laisse comme ça avec sa petite toupette? Est-ce qu'on testerait pas de la barbe? Alors non. Non, c'est un peu des étudiants, c'est ça? Ouais, non. Oh mon Dieu. Et en vrai, ça lui va pas mal, ça. Bon, la barbe frisée, c'est concept, mais... Trace de barbe, c'est pas mal. Il est pas trop laid, là. Oh mon Dieu. Non, ça c'est trop. Non, ça c'est moche. Ah bah voilà. Voilà, là je pense que c'est pas mal, hein. Ça va pas du tout. C'est quoi ça? Il est censé y avoir des trucs là? Y'a rien? Pourquoi y'a un truc où y'a rien? Je suis pas folle. Y'a rien. Non, ben on va mettre la trace de barbe qui était pas trop mal. Non, pas celle-là. Voilà, celle-là. On va lui rajouter des poils. Oh là là, quel bel homme. Du pelage pour le monsieur. Ah, pas dans le dos, c'est pas possible dans le dos par contre. Sur le ventre et sur les jambes. Voilà. Cicatrice. Ouais, bof. Non, bah, il va être juste random, je pense. Hein. Bien. On va pouvoir passer au look. Son look, il me déprime. Il est pas moche. Mais il est juste déprimant, en fait.
Genre, il n'y a pas de fun. Ah si, sa tenue de fête est pas mal. Ouais, la tenue d'hiver est pas mal non plus. Mais alors le reste... Même son costard, on se fait chier. On va donner un peu de style, Travis. Voilà. Là, c'est mieux, là. Petites chaussures noires. Les chaussettes noires. Voilà. Le look est clairement vilain. J'irai pas jusqu'à dire que c'est vilain, c'est juste un peu triste. C'est un étudiant, t'es pas censé être... Enfin, je sais pas. Après, vous allez me dire... Il y a plein de styles d'étudiants. Pardon. Il y a plein de styles d'étudiants, mais je sais pas, c'est un peu nazouille. Hein. Déjà, on va lui mettre des Converse, n'est-ce pas? Parce que les Converse, c'est quand même la base. La base! Et puis, elles seront... non, pas celles-là, parce qu'elles sont chiantes. Celles-ci. Ah, j'en voulais des jaunes fluo, moi. Elles sont pas fluo. Non, pas violet. Donne-moi des Converse fluo! Celles-là. Ah! Voilà! Non, elles sont moches. Elles sont moches. Mais des paillettes dans sa vie. Elles sont les Converse normales, là. La Nutella. Ah, il n'y avait pas jaune. Mais c'est nul. Je veux des chaussures jaunes, je sais pas pourquoi, mais je veux des chaussures jaunes. Alors. Celle-là. Oh, magnifique. Ah non, ça va pas du tout. Ah, non. Non. Les petits chaussons. Bah voilà. Non, hein, c'est moche. Hein. Pourquoi je voulais des chaussures jaunes, moi? En fait, j'étais persuadée qu'il y avait des Converse jaunes et ça aurait été très bien... Très bien... Ça serait bien allé. Ça aurait bien été. J'ai un doute. Mais là, je trouve séduisant avec du jaune. Attends, on va aller mettre une petite chemise. Mais genre la petite chemise du mec BG, tu vois. Petite chemise. Genre comme ça. Mais mieux. Oh, celle-là, c'est pour les maxi BG, ça. Celle-là, un peu déboutonnée en haut, là. Salut, moi c'est Travis, le BG. Non, celle-là, c'est pas possible. Enfin, pas pour lui, en tout cas. Ça, ça fait débrailler. J'adore ce vêtement, en vrai, mais... Pas pour lui. Non, 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 non. 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 Un peu sexy boy, c'est ça. Sexy boy. Ça, c'est trop. Ah, ça, c'est pas mal. Oh, si on a une qui n'a pas de fleurs. Ouais, bah alors pas en... Non, mais de la couleur quand même. Oh non, elles sont trop nulles. Oh, celle-là, elle est pas mal. Mais je sais pas. Non, non, ça va pas. Les couleurs ne me vont pas. Non, ça c'est dégueulasse. Non. Non plus. Oh, avec les tétons apparents. Ça va pas du tout. Non, ça, ça fait pyjama, ça. Ça va pas être possible. Hein. Au bout d'un moment, faut pas abuser non plus. Ah bah voilà. Avec les tétés. Oh.
Et en vrai, celle-là, c'est pas trop une chemise, mais elle est pas mal. Ah ouais, j'aime bien. Ah, il est pas mal, là. Je pense que je vais lui laisser ça. On va quand même regarder d'autres. Ouais, non, le reste, ça fait trop... Moi, j'aime bien celle-là, pardon. Je suis désolée pour les bâillements. Comme je vous dis, comme je parle pas beaucoup de la journée, dès que je commence à parler, bah... C'est l'atout et les bâillements. C'est super. Super, hein. Alors, ça, c'est bon. La tenue de sport, franchement... Je sais que t'es un geek, mais bon, au bout d'un moment, t'es peut-être pas obligé de... On va lui, au moins lui mettre un jogging. Voilà, qu'il soit bien. Bien dans son corps. Bien dans sa tête. Voilà. Salut, moi, c'est Travis. Coucou, Elise, comment tu vas? Tout doucement et vous tous. Bah, ça va. On est en train de refaire les meilleurs amis pour la vie. Bon, t'es vraiment pas sexy chocolat en pyjama, Travis. Hein. Voilà! Non, c'est pas possible, ça lui va pas. Bon, allez, un petit pyjama coucouning. Ah, parfait. Évidemment, il faut la marque de fabrique. Je sais que vous ne les aimez pas, mais les chaussons lapins seront sur tout le monde. Voilà. La tenue de fête, je l'aime bien. Donc, on va peut-être juste changer ses chaussures. Ouais. Et il est très beau comme ça. Le maillot de bain, on s'en branle. Hein. On va pas se mytho. On s'en branle un peu. Ça, j'aime pas son short. Déjà, je comprends pas le principe d'avoir un t-shirt trop long. Ça me frustre. Rentre-le dans ton truc, en fait. Rentre-le. Ou un petit pantacourt. Je suis comme ça avec ma main. Je vais peut-être la fermer. Ma main. Son lapin, c'est la base. Je fais pas du tout ça pour Lulabi. C'est une nouvelle série, entre guillemets. Je sais pas quand je vais la faire, si je la ferai tout le temps en live ou pas. Mais je compte... relooker tous les PNJ, enfin tous les Sims de base du jeu et toutes leurs maisons. Donc on n'a pas fini quoi. On est qu'à la première, à la première d'une longue série. Mais comme j'ai dit, je sais pas si je ferai forcément ça en live parce que ah non c'est pour le show. On avait dit un short parce que bah peut-être si j'ai l'inspi avant, comme je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'inspiration et tout ça. Je sais que si j'attends, quand j'ai l'inspi, c'est mort après. Donc là, ah bah voilà, oh là là. Ça lui va pas du tout. Non, ça c'est un short de sport. Ah ça, pourquoi pas. Petit machin là. Ah, c'est sympa ça. Avec un petit t-shirt qui paye pas de mine, mais qui est pas mal. Non. Non. Putain, mais ça en été et tu meurs. Ah bah voilà. Sexy chocolat. Non, ça c'est pouillable, c'est mort. Y a pas juste un t-shirt tout simple qui rentre un peu dans le... Mais non, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, celui-là. Oh non, celui-là, il aurait été trop bien avec le col V, là. Bon, et lui? Non plus. On va tous aller se faire foutre, hein. Sauf toi, visiblement. Bah, ce sera toi, alors. Oh là là. Oh là, c'est triste. Oh non, j'aime pas. On va te mettre autre chose, tant pis. Oui, je veux que ça rentre dans son machin. Bon, c'est pas ici que ça rentrera dans son machin. Un débardeur alors, c'est un peu... Ouais.
Oh mon dieu, non. Ça va pas du tout. Oh putain. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de... Ça va pas le faire là. Mais alors pas du tout. Ça en vrai ça va parce que ça descend pas trop. Mais je le vois pas avec un débardeur. Hein. Ça lui va pas les débardeurs. Désolé Travis, ça ne te va pas. Il faut un truc avec, avec des manches. Un polo peut-être. Oh. Oh ça, ça fait Jean-Edouard avant sa partie de tennis. Vous trouvez pas? Avec le short là, c'est... Bon bah c'est nul. Ah je peux lui mettre la petite chemise hawaïenne hein. Ah oui mais c'est celle qui a pas de couleur. Bah alors attendez. Dans ce cas on lui met la chemise et après on change la couleur du short. Parce que là ma tenue de tennis même. Jean-Guy de la Creuse. Faut lui mettre un peu de muscle. Bah c'est un geek hein. Alors je vais pas dire que tous les geeks n'ont pas de muscles. Mais bon il passe plus sa vie. Enfin s'il a des muscles c'est dans les doigts et les poignets tu vois. Et je parle pas de branlette hein. Je parle vraiment de la souris et le clavier. Il va pas rater sa game de LOL pour aller à la salle. Quand même. N'abusons pas. Ah, on va lui mettre des tongs, hein. C'est important les tongs. Voilà, là je pense qu'il est pas mal. Parfait. Et la tenue d'hiver, je vais lui laisser. Parce que regarde, Samantha, il est vraiment... Enfin, en vrai, il est juste normal, quoi. Hein. Il est pas non plus galbé comme un Velux. Il est quand même... Enfin, il est correct. Enfin, je sais pas. J'ai pas envie de lui mettre de muscles. Enfin, pas plus que ça. Il est pas épais, mais il est pas... J'ai déjà vu la salle de sport dans une de mes parties. Oui, mais c'est pas ma faute si... Si les Sims se respectent même pas leur propre personnage. Moi, on me dit c'est un geek. Quand j'imagine un geek, je l'imagine pas à la salle de sport, tu vois. Après, ça ne veut rien dire, évidemment. Surtout ces dernières années. Bon, tu veux qu'on lui en mette un petit peu? Alors, un peu. Hein. Genre, on lui dessine légèrement les abdos, là. Voilà, voilà, t'es contente? Ça se voit même pas. Tellement il est tout fin. Si, ça se voit un peu quand même, c'est... Mais en fait, le souci, c'est que si tu lui montres la musculature... Voilà, comme ça. Ah, je Travis. Je soulève des PC. Il fait des... Comment ça s'appelle, les trucs, là. Il fait ces exercices-là, j'ai plus le nom, je suis désolée. Avec des PC, tu sais. 17 kilos. Des haltères, merci. Ça lui va pas du tout. Non, allez. Ouais, le souci des muscles dans les Sims 4, c'est que... Alors là, c'est pas possible non plus. C'est que quand tu veux le muscler, tu peux pas juste muscler un peu une partie du corps. C'est vraiment tout. Genre, les bras deviennent énormes. Tout devient énorme et sec. Alors que t'as pas spécialement envie qu'il soit énorme et sec, mais bon. Bon, on va laisser comme ça. Ça me paraît pas mal. De toute façon, on le voit jamais à poil, donc... Voilà. Travis, c'est fait. C'est là où je me dis qu'il y a du boulot. Hein. Après, on peut prendre soin de soi sans faire de sport, hein, vous savez. Mais oui, je vois où tu veux en venir, il n'y a pas de problème. Franchement... C'est pas possible. Ooh.
Elle est quoi? Rat de bibliothèque, maladroite, geek. Ok. Admettons. Alors, c'est pas parce qu'on est une geek et un rat de bibliothèque qu'on doit s'habiller avec les premiers trucs pris dans le placard. Parce que là, c'est vraiment l'impression que j'ai. Genre, oh, il y a du soleil, je mets un chapeau. Elle sort le képi, là. C'est pas un képi, le béret. Le premier t-shirt qui passe. Le premier futal qui passe. Et les premières chaussures, les tongs. C'est pas possible. Est-ce qu'on donnerait pas un look à cette dame? Parce que là, c'est... Attendez, on va voir le reste, mais... Ah ouais. Je porte pas le pantalon avec des chaussures. Ah, elle est incroyable. Elle est incroyable. Non mais ça. Oh là là, le maquillage. En plus, elle est mignonne. Hein, en vrai, on a l'impression qu'elle louche. Mais c'est pas grave. Mais cette coiffure, déjà, elle est dégueulasse. Vous l'avez déjà mise à un de vos Sims? On dirait un gosse qui s'est coupé lui-même les cheveux. En plus, il y a des petites taches de rousseur, j'avais jamais vu. C'est trop mignon, ça. Mais c'est pas possible. À aucun moment... Oh là. Elle est trop bien habillée. Je suis navrée. Mais on va lui faire un vrai look à cette... Mais non, mais vraiment, elle louche, hein. Attends, on va lui faire les yeux un peu plus grands, là. Peut-être que ça donnera moins l'impression qu'elle louche. Je sais pas, il y a un problème. Bon. Alors, à poil, Liberty, s'il te plaît. Voilà, je consens à te laisser tes bracelets, si tu veux. Mais le reste, ça dégage. Alors, elle est asiatique, je suppose. Enfin... Elle va perdre son look d'enfer. Ouais, d'enfer, ouais, c'est... Enfin, je sais pas si elle est asiatique, mais elle a l'air d'avoir des yeux asiatiques, donc des origines asiatiques. Même le nez, un peu. Ouais, si, carrément. Donc, on va lui mettre des cheveux lisses, déjà. Alors, ce qui est très chiant dans les Sims 4, parce qu'il y en a pas beaucoup, en fait. Des vraiment tout lisses et pas moches, comme ça. Oh, en vrai, ça lui va pas trop mal, mais j'aime pas cette coupe. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une enfant qui l'a maquillée. Ouais, c'est ça. En fait, il part du principe que les geeks savent pas s'habiller. Ça se passe comment? Enfin. Donc, je vais essayer de trouver des cheveux lisses. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup qui sont sympas. En long, en tout cas, on a surtout bah, soit des bouclés, soit des ondulés. On va pas chialer parce qu'on aime les boucles et les ondulés, mais c'est dommage, quoi. Oh, c'est moche. Même là, c'est ondulé. Enfin, vraiment, faites des cheveux raides, raides, raides. Oh, elle est mignonne avec cette petite coupe. En vrai, elle est chou, là. Vous en pensez quoi? Bon, je note ça à côté. Coucou, coucou Didi. Salut mes chouchous. C'est pas possible. Mes chouchous. Ah, c'est trop mignon. Et un peu ridicule, j'avoue. Ça va avec toi. Cette coupe est dégueulasse. Franchement, quand je l'ai vue dans Vampire, j'étais en mode pourquoi ils ont fait ça? Je comprends toujours pas. Oh là là. Vraiment, je vous dis, des coupes lisses et potables. Il n'y en a vraiment pas des masses. En cheveux longs. Non. 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 Non, 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 non. Ça va pas être possible. Ça, c'est pareil, ça. Qui fait ça? Qui fait cette frange? Qui? Ouais, bof. Non, ça avait un peu casque sur elle. Non.
Mais c'est important qu'elle soit jolie, hein. Bof. Vive les CC. Moi j'ai pas envie de mettre de CC, mais c'est vrai que des fois ça fait pas de mal quoi. Après, à contrario, tu vois, dans les CC, j'ai l'impression qu'il y a que des cheveux lisses et longs. Donc c'est pas mieux. Il faudrait vraiment varier les plaisirs quoi. Mais oh non, ça c'est dégueulasse. Ça lui va pas du tout. Non, non, mais je crois que je vais rester sur la petite coupe là. Elle était trop mignonne avec ça. Alors faut la retrouver maintenant. Et... je crois qu'elle est dans le coin. C'est pas celle-là. Là. Voilà. Ah oui, elle est trop chou. Bah en alpha. En maxi match, il y a tout. Mais en alpha. Oh! L'exploit de bonheur pour trouver des boucles. Hein. Des vraies boucles, des frisées, je veux dire. Parce que des trucs ondulés, il y en a. Ceux qui ont eu un accident de ciseaux, j'allais dire de chevaux, se font cette frange. Ouais, bah super. Bon, là, elle est chou. Elle avait du liner, donc on va lui en remettre, mais certainement pas le dégueulasse qu'elle avait. Ses sourcils, on va pas y toucher. Liner. Non. 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 Bah non. Non, je pense que je vais le mettre lui. Voilà. Ça lui fait un regard de biche. Et pas de bitch. Ah, je sais. Je sais ce qu'on va lui mettre. Voilà. Celui-là, mais pas cette couleur. Non. Non. Voilà. Bon, maintenant le look, parce qu'il y a tout à refaire là. Elle a l'air d'aimer la couleur, donc on va pas lui mettre de la merde. De la merde foncée là, ou du blanc, du noir et ce genre de conneries. Peut-être qu'on en mettra, parce qu'on peut pas non plus mettre 15 000 couleurs, on n'est pas des clowns. Mais, on va quand même mettre un truc assez bien quoi. Elle avait un pantalon, donc on part sur un pantalon et un t-shirt ou un truc du style. Un peu coloré. Ah, je sais. J'ai une idée. Faut juste que je le retrouve. Oh, c'est nouveau ça. E-sport. Ah, la France. La France est écrit en japonais derrière, tu sais. C'est pas du japonais, je sais. Pourquoi le truc de la France est juste dégueulasse et tous les autres ils sont méga classe. C'est pas juste. Get ça, ils sont plein de couleurs et ils sont trop stylés. Et nous on a cette merde. C'est un vrai t-shirt de la France ça. Bah c'est moche. C'est très laid. C'est honteux. Il est trop beau ce haut. On va lui mettre ça avec un pantalon. Plutôt un pantalon large. Oh, il est sympa celui-là. Est-ce qu'il y a des jolies couleurs? Parce que là, ça va pas du tout ensemble. Bon, et bof. Pas de noir et pas de blanc. Et la meuf met que ça. J'en ai trouvé. Ah, mais il y en a. Je dis pas qu'il y en a pas du tout. Mais il y en a vraiment pas beaucoup par rapport aux cheveux lisses. Hein. Et longs, je parle. Et je parle pas de coupe afro ou quoi, je parle vraiment des cheveux frisés longs. Mais il y en a certainement, mais ça fait un bail que j'ai pas cherché de CC, je t'avoue. J'avoue.
parce que ça me saoule déjà. Enfin, ça me saoule. J'en ai pas l'utilité surtout. Que moi, quand je mets des CC, c'est juste pour... Je sais pas ce que je fais, les gars. C'est juste pour aller créer des Sims et après, je les enlève. Je prends des photos, puis après, je les enlève. Oh, c'est un peu stylé, en vrai. Parce que ça match avec le pull. En vrai, je suis tentée de lui laisser parce que c'est pas mal. Ça match bien. Bon, pas celui-là, mais lui... Enfin, un des deux, là, c'est pas... Peut-être plus lui. Par contre, les bracelets, ça va plus du tout. On va lui en mettre d'autres. Il est pas beau, lui. Le rouge. Attends. Le rouge. Non, c'est pas le même rouge, ça va pas. Le plus clair. Ouais, le plus clair est pas mal aussi. Ah non. Ouais, le rouge ça va pas parce que c'est pas le même rouge. Là, c'est vraiment un rouge vif. Orange même. Et là, c'est un rouge terne. Le jaune, ça va pas du tout, c'est dégueulasse. En blanc, forcément, ça va, mais c'est pas ce qu'on veut. Bah le plus clair alors. Et le blanc. Bah oui mais le blanc après ça va faire trop de blanc. Le blanc ça va forcément. Je veux dire c'est du blanc quoi. Mais elle veut de la couleur cette dame. Donc on va lui mettre de la couleur. En plus comme il est taille haute le pantalon ça cache le petit bidon là. Enfin elle a pas de bide mais vous avez compris. Ça cache la pio. Voilà alors on était où. On va lui mettre des ongles de toutes les couleurs aussi. L'avantage. J'ai mis du temps hein. J'ai mis du temps, les gars, avant de capter que c'était les couleurs des drapeaux LGBT. J'ai mis du temps. Mais en fait, je m'en branle parce que ça fait juste plein de couleurs et c'est trop bien. Donc, go plein de couleurs. On va mettre... lequel on met? Non, pas celui-là. Non. Non, celui-là, il y a du noir. D'ailleurs, je sais à peu près à quoi correspondent tous les trucs. Ça me... Je sais pas si je dois en être fière ou pas. Non, en vrai, il y en a, je sais pas du tout. Je sais que celui-là, je sais pas ce que c'est déjà. Ça, c'est bi. Ça, c'est gay. Genre, enfin, les gays hommes. Ça, c'est pan. Celui-là, je sais plus si c'est celui-là ou celui-là, c'est les lesbiennes. Et celui-là, c'est trans. Ça, c'est le global. Et tous les autres frères, j'en ai aucune idée. Peut-être celui-là, c'est hétéro. Ou asexuel, j'en sais rien. Je suis pas sûre qu'ils aient mis les hétéros, parce que les hétéros, ça pue. On a compris le message. On lui mettrait pas les bleus pour aller avec. Ou plutôt du rouge. Oh, je sais pas. Les gender classiques. Non, ça n'existe pas, mamie, tu n'as pas le droit. Tu n'as plus le droit. Nous n'avons plus... Enfin, vous avez plus le droit. Parce que moi, je suis pas hétéro. Vous avez plus le droit d'être hétéro. Ok? Alors, changez. Sinon, c'est que vous êtes homophobe. Il y a vraiment ce genre de discours, je vous jure. Ça me... J'en rigole, mais ça me trigger de fou, quoi. Rip Legender classique. Non, non, mais vous avez plus le droit. Vous avez plus le droit. Vous avez pas le droit de... d'être cis. Et vous avez pas le droit de... d'être hétéro, sinon c'est que vous êtes homophobe et transphobe. Ça va tellement loin. Dans le discours de certains, en tout cas. Non, je vais lui mettre celui-là, tiens. Bleu et jaune. Pourquoi ça t'a censuré? Je suis, je sais pas quoi, trans, handicapé, la totale. Je suis pédé. Yes. Yes! Parfait! T'es dans le bon panier, Oscar. Tu fais partie des meilleurs. Bravo. Nous devons te respecter. Gloire à Oscar.
Mais bien sûr, Samantha, bien sûr. Mais je te jure, des fois, je lis des trucs, je suis en mode, mais... C'est lourd, quoi. Il y a vraiment des gens qui... En fait, il y a une petite partie, mais c'est celle qui fait vraiment le plus parler d'elle. Et c'est dommage, une petite partie, toute petite, mais très bruyante, de la commu LGBT, Q+, et tout ce que tu veux, toutes les lettres, qui a décrété que les hétéros, les cisgenres, c'est-à-dire ceux qui acceptent leur genre par rapport à leur sexe de naissance, machin, sont des monstres. Et en fait, ils vouent une haine aux autres comme un homophobe peut avoir de la haine envers les homos. Donc c'est la haine inversée, si tu veux, mais ça reste de la haine, c'est débile. Et c'est cette petite minorité de merde qu'on entend tout le temps. Et ça me rend ouf. Quand j'entends ça, j'ai pas envie de gueuler sur tous les toits que je suis pan, hein. Enfin, pan ou bi, pour moi, c'est un peu la même chose, mais ça dépend de la vision de chacun, on va dire. D'ailleurs, les bi sont transphobes, figurez-vous. Ça, c'est aussi ce qu'a dit la minorité bruyante. Les cons, quoi. Ça me rend ouf. Je comprends pas leur logique de vouloir éradiquer la haine par encore plus de haine. C'est sûr que ça va résoudre les conflits, hein. Moi, je comprends rien. Tu m'étonnes. Déjà, j'ai appris qu'il y avait 72 drapeaux qui représentent les sexualités et les genres différents. 72. Les gars. Merde, quoi. En fait, je ferais juste dire t'aimes les hommes ou les femmes, puis ça s'arrête là, ou les deux, et fin. Bref, ça me dépasse. Ça me dépasse. J'essaye de comprendre des fois, mais 72! C'est un peu beaucoup quand même. Hein. C'est sûr, Braise. Comment peut y en avoir 72? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Déjà, ça mélange les genres. Donc, hommes, femmes. Cis femmes, cis hommes, trans femmes, trans hommes. Et les non-binaires. Donc ça fait déjà 5. Et ensuite, il y a tous les autres. C'est-à-dire, il y en a, tu te rappelles, Brez, ça s'appelle demi-boy ou demi-girl. Et moi, ça m'a fait hurler de rire. Genre, tu te considères au moins à je sais plus combien de pourcents homme. Mais le reste, ça peut être hamster, vraiment, hein, genre vraiment. Hamster, patate, poney, femme, mais tu as je sais plus combien de pourcents d'hommes, alors tu es demi-boy. Ah ouais. Je suis désolée, les gars, je vais dire un truc hyper méchant, mais il faut vraiment, vraiment pas avoir d'autres problèmes dans sa vie pour te dire que t'es demi-boy, enfin. Je me chire, c'est... T'as pas autre chose à penser, genre... Alors moi, j'ai bien réfléchi, j'ai fait la rétrospection de moi-même. Et je pense que je suis 10% homme, 10% femme, et le reste, pamplemousse. Ok. Je comprends pas. En vrai, si ça permet à des gens de mettre des étiquettes sur ce qu'ils sont... Et de le vivre bien, tant mieux. Tant mieux. Mais je comprends pas. Enfin, je comprends, mais je le... Comment je peux dire ça? Je l'assimile pas. C'est tellement abstrait pour moi. Je t'as pas d'autre chose à faire. Je sais pas, du dessin. Du coloriage.
Moitié homme, moitié robot bioman, héros de l'univers. On avait déjà ça dans les années 80. Mon intérieur était à 48% exactement cochon d'Inde. Non mais en vrai, c'est trop abstrait. Je veux pas être méchante avec ces gens-là parce que comme j'ai dit, si ça leur permet d'être bien et tout ça, tant mieux. Mais en fait, je trouve que c'est se poser trop de questions pour pas grand-chose. Je veux dire, les gars, partez juste du principe que personne n'est pareil. Tout simplement, vous n'avez pas besoin de vous mettre des étiquettes pour vous accepter. Enfin, à la limite, tu te mets l'étiquette gay parce que t'aimes les hommes et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de partir dans des trucs... je sais pas, ça me dépasse. Moi, je sais par exemple que si je me réfère aux critères de la société française... Je suis pas psychologiquement une femme, mais on s'en branle. Enfin, j'ai pas de problème avec mon corps, hormis ce que tout le monde peut avoir de temps en temps, c'est-à-dire un coup de mou. Ce maquillage, c'est pas possible. Enlève sa choupette. Enlève ! Merci. Et j'ai pas un comportement de femme comme la société le voit, mais je suis pas en train de dire... Bah, je pense quand même que je suis un peu homme. Enfin, je sais pas. Non, ça me dépasse. J'essaye de comprendre, mais ça me dépasse trop. C'est trop abstrait, en fait. Regarder un Picasso me parle plus que ça. Voilà, je peux pas être plus... Quand on est une femme tous les mois. Ouais, bah ça c'est encore un autre souci, mais... Non, mais je comprends les gens qui sont trans parce qu'ils ont une dysphorie et c'est vraiment... Je vais appeler ça maladie, mais c'est pas une maladie à proprement parler, mais c'est vraiment un truc concret, si tu veux. C'est pas je suis 10% ça, enfin, voilà. La dysphorie, ça existe vraiment, et c'est problématique pour les gens qui l'ont. Donc ça, je remets pas en question. Il est où mon vernis là, mon truc à œil là, mon vernis à œil, voilà. Oh, ça lui va pas du tout, c'est dégueulasse. Donc la dysphorie, je remets pas en question, les trans, je les remets pas en question, mais le reste, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas. Accepte juste de pas être... Enfin, d'être unique. Parce qu'on est tous uniques. On est tous différents, on a tous une façon de penser plus ou moins différente. On collera jamais, mais elle a les mêmes bracelets partout en fait. On collera jamais à ce que veut réellement la société de nous, quoi. On peut s'en rapprocher, mais ça sera jamais nous. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Je sais pas pourquoi on est parti là-dessus. Je sais plus. Bon, ça doit pas être très important. Je vais lui laisser cette robe. Elle est moche, mais écoute... je lui laisse ou pas? Ouais, je vais lui laisser. Ça me tue les yeux. Il y en a peut-être une autre plus jolie en jaune. Je vais voir les jaunes. J'entends Ruru qui s'esclave, ça me fait rire. Non, ça va pas du tout. Non. Ah, celle-là, ça lui va bien. Celle-ci. Ah ouais, celle-là. Elle est classe avec celle-là. Non, je vais laisser celle-là. Le sport. Bon, le sport, ça va. Je vais pas la foutre à poil non plus.
Je vais pas la foutre à poil et je lui mets des crop tops, tu sais, c'est... La logique de Lupina. Je sais pas quoi lui mettre. J'aime bien celui-là. C'est pas trop un short pour le sport, ça. Mon dieu. Oh non. Oh, j'en ai marre de bailler. Le délire du crop, c'est crop avec un P comme pute, pas croc, crop. Le délire du crop top, bah c'est joli, sur certaines personnes en tout cas. Enfin moi je trouve après... Je sais pas, ça me perturbe pas. En vrai, je trouve ça très très joli avec un pantalon taille haute. Bon, moi j'en mets pas pour des raisons assez évidentes. Je suis grosse. Donc moi, je mets mon crop top, il y a le bide, il fait ça. Bide de femme enceinte. Franchement, quand je vais chez le gynéco, qu'il y a toutes les meufs enceintes qui attendent, je passe inaperçue, les gars, avec mon ventre. Je suis comme un poisson dans l'eau, hein. Non, elle, elle va dormir en mode pilou-pilou. Ça dépend des crop tops. En fait, le crop top, ça peut être très court, genre brassière soutif. Ou ça peut être plus long, juste le nombril se voit, en fait. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et... Mais c'est vrai que les brassières, enfin, le crop top en mode brassière, c'est pas terrible. Enfin bon, après, chacun ses goûts. Puis on va lui mettre une petite tenue sexy aussi. Peut-être pas en jaune par contre. Petite nuisette. Si jamais elle va voir Travis... Non, pas une nuisette. Ah ça, c'est très sexy ça. La chemise de Travis. Voilà. Ah merde, il faut que je change ses cheveux. C'est quelle adonne? Attends, je vais cliquer sur quelle adonne c'est parce que ça me casse les couilles. Est-ce qu'il n'y a pas d'enneigé? Qui se lèche. Je te trimballe pas en maillot dans la rue en fait. Bah chacun ses goûts hein. Je sais pas, moi ça me perturbe pas. Après je peux comprendre que t'aimes pas. Moi je sais pas, je m'en fous en fait. Je sais pas. Mais le maquillage, les joues là. C'est pas possible ça. En même temps, Braise, toi, regarde, tu te trimbales toujours en sweat et en pantalon. Voilà quoi. Chacun son style. Oh, grave laid, hein. Bon, on va lui mettre une petite robe, mais pas celle-là. Petite robe un peu festive là. C'est la fête. Non. Oh là là, rien lui va, cette pauvre femme.
Désolée pour le ton que j'ai employé, Brezo, c'était pas pour t'attaquer ou quoi. C'est juste que, je sais pas, chacun ses goûts. Je voulais pas être désagréable. Mais c'est quoi alors que t'aimes pas? C'est le fait que les meufs montent leur ventre. D'ailleurs, il y a aussi des crop tops pour les mecs, hein. Bon, étrangement, il y en a moins qu'en mettent, mais il y en a. Qu'est-ce que t'aimes pas? Rien lui va, cette pauvre. Si, ça lui va bien. Oui, j'entends bien. Je veux juste avoir un peu ce que tu penses, parce que je suis un peu paumée. Je pense qu'il faut une certaine pudeur dans les lieux communs. Bah, techniquement... Enfin... Moi, ce que j'aime bien, c'est, comme je dis, quand on met un pantalon taille haute. Donc, vraiment, il n'y a pas beaucoup de peau qui se voit, quoi. Je sais pas, c'est compliqué. Ah non, mais à 13 ans, t'es pas censé porter ça, en fait. Moi, je suis en mode, c'est des gens adultes, donc ça me dérange pas. Mais à 13 ans, bon, de toute façon, maintenant... Enfin, je veux dire, déjà à notre époque, il y en a qui s'habillaient comme des... Hein? Je vous rappelle, la mode... À mon époque, la mode, c'était les pantalons taille basse avec le string qui dépasse. Niveau pudeur, on se place bien aussi. Hein? En vrai, je m'en fous. Non, mais je vois ce que tu veux dire, bref. T'inquiète. Je suis assez d'accord qu'à 13 ans, t'as pas à trimballer à moitié à Walp. Ouais, ça craint. Ça craint, mais quelque part, ça a toujours été. Hein. Il y a toujours eu une tendance vulgose que certaines gosses suivent. Ou certains gosses, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des tendances vulgose chez les mecs. Et voilà, quoi, c'est... Oh, j'ai envie de lui mettre ça. Mais les bretelles sur ce truc, ils gâchent tellement tout. Elle gâche tellement tout. Bon, je sais pas quoi lui mettre là. Rien lui va, cette pauvre dame. Si, il y avait un truc qui était pas si pire. Ah, c'était celle-là. En vrai, celui-là, ça lui va bien. Est-ce qu'on est devenu des vieux réacs? Peut-être. Après, la mode des strings qui dépassent, là, à mon époque, ça me saoulait déjà, donc j'étais en mode putain, mais... Pff. Merci, j'ai pas envie de voir ton cul, en fait. Merci, mais non merci, quoi. Moche ou beau, c'est pas le problème. Oui. Non, mais t'as raison, Braise, c'est indécent de se trimballer à Walp dans la rue, hein, c'est pas... Garçon ou fille, d'ailleurs. Hein. Oh, ça me fait penser à l'autre connard, pardon, mais il n'y a pas d'autre mot, qui avait été twerk dans une église. Mais on est où, bordel? Enfin, moi, je suis athée, j'en ai un peu rien à foutre des religions, tu vois, mais j'irai pas twerk dans une église, bordel! L'éducation! Au bout d'un moment donné, elle est où l'éducation? Ça m'avait choqué, genre. Il va twerk dans une église et il est content. Mais. Respecte! Respecte les gens qui vont là-bas. Après, il y a certainement une part de la communauté. Catholiques, chrétiennes et tout ce truc là qui vont dans les églises qui sont des connards parce que extrémistes et tout ce que tu veux, mais tu fais pas ça en fait. Enfin, oui, mais il a fait ça ensuite. Il est passé sur TPMP ou je sais pas quoi là. Alors déjà, cette émission cancer, là, il n'y a pas d'autre mot.
Bon, ça, on va lui laisser. Voilà. Ça, ça va pas du tout. On va lui mettre ça. En vrai, elle est trop chou avec ça. Ou ça. Oh non, ça. S'est fait défoncer physiquement par des gens qui avaient la haine. Oui, mais ça, c'est... C'est tout aussi nul que ce qu'il a fait, en fait. Parce qu'en plus, ça va le confronter dans son idée que les cathos sont des connards. Enfin, les cathos et autres gens qui vont à l'église, je sais plus, tous les dérivés. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et c'est nul. Bonne nuit, Samantha. Gros bisous. Mais vraiment, aller twerker dans une église ou dans un lieu saint, peu importe... Peu importe de quelle religion. Dans un lieu qui est censé être respecté, tu vas pas faire ça. Enfin, tout ça pour provoquer et ensuite, bah, il se fait taper. Ce qui est regrettable parce que c'est pas un truc à faire. Mais après, il en profite pour faire encore plus le ouin-ouin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est nul. C'est nul. Tu provoques, tu te fais taper. Alors, je donne pas du tout raison à ceux qui ont tapé parce que c'est inadmissible. Et après, tu chiales encore plus. Bah, au bout d'un moment, aligne tes neurones aussi. Oh ! D'ailleurs, j'ai entendu un truc. J'étais en mode, non mais c'est sérieux là, à ce point-là. Il y a une personne trans qui s'est fait tabasser dans le métro. Il sortait du métro ou elle sortait du métro, je sais pas. Enfin, la personne trans sortait du métro, tranquille, vivait sa vie, demandait rien à personne. Et elle s'est fait tabasser par un type qui l'a jeté dans les escaliers et tout. Ça a été filmé. Donc, la personne trans a les preuves. Il a voulu aller porter plainte et en fait, quand il a revu la vidéo, il a dit « Bah non, je vais pas porter plainte parce que ça va stigmatiser une minorité. » Mec, le type voulait te tuer en fait. Au bout d'un moment, on s'en fout qu'il soit je sais pas quelle couleur. Tu vas juste porter plainte. Bah non. Il veut pas stigmatiser une minorité. Non, il a pas pris peur. Il avait vraiment tout ce qu'il fallait. Et je veux dire, il a la preuve vidéo, ça a été filmé. Soit par quelqu'un, soit par des caméras de surveillance ou je sais pas quoi. Je sais plus l'histoire. Ah non, il y a vraiment des gens qui sont débiles à ce point-là, Braise. Hein. C'est-à-dire que pour ne pas stigmatiser des minorités, bah c'est pas grave, on se tait. Là, c'est dans ces moments-là où j'ai très envie de hurler sélection naturelle. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, tu t'es fait tabasser, tu vas porter plainte. On s'en fout de la couleur du type. Au bout d'un moment, il mérite d'aller en prison, en fait. Non, mais je veux pas qu'il stigmatise. Ouais, d'accord. Ok. Ok. Franchement, je comprends pas non plus, mais il y a des personnes sur cette terre qui estime que parce que certaines minorités sont trop stigmatisées, opprimées et tout ce que tu veux, tu peux rien leur dire quand certains d'entre eux font de la merde. Tu peux rien leur dire car ils viennent d'une minorité. Bah oui, alors bah non, en fait, ça marche pas comme ça la vie. Tu fais de la merde, on s'en fout de ta couleur, de ta sexualité, d'où tu viens, tu vas juste en prison et tu fais pas chier en fait. Bah en fait j'ai envie de dire sélection naturelle hein, pour le type qui s'est fait taper, enfin c'est regrettable mais il a tous les éléments pour porter plainte et il va pas porter plainte pour pas stigmatiser gna gna gna. Au bout d'un moment faut aussi faire la part des choses, enfin je veux dire... Oh puis merde, j'ai plus quoi faire moi. J'ai l'impression que plus ça va, plus les gens, ils sont débiles. Et ils savent pas se tempérer en fait.
C'est soit blanc, soit noir. Il n'y a pas de juste milieu. Il part pas du principe que le monde est gris. Enfin, il est fait de nuances de gris. Il n'est pas juste noir ou juste blanc. Et je parle pas des couleurs de peau, hein, qu'on s'entende. Si vous préférez, il n'est pas juste bleu ou rose. Il y a du violet entre deux, tu vois. Et c'est pas parce que un mec issu d'une minorité t'a tapé que toute cette minorité, minorité entre guillemets, hein, évidemment, va être un connard. Enfin, au bout d'un, enfin, oh non, vraiment, ça me dépasse. Ah, c'est dans ces moments-là où j'ai juste envie de gueuler. Bah, sélection naturelle, en fait. Tu veux rien faire. T'es con ou quoi? Mais j'ai l'impression que les gens savent plus juste tempérer les choses. Comme dire que t'as pas aimé le film Barbie, t'es un facho patriarcal. Ok. Bah, si vous voulez. Hein. Bref, Summer qui est belle de loin, mais loin d'être belle. Hein. Guette sa tête. Elle a des yeux énormes. On va juste les réduire un petit peu. Hein. Oula. Voilà, on va pas les réduire comme ça, on va les réduire comme ça. Voilà, elle fait un peu moins flipper là. Parce que vraiment, elle faisait flipper. Hein. Bah, non. Moi, je pense que. Enfin, de mon avis, le film Barbie, j'ai bien aimé. Il dure 2 heures déjà. J'ai bien aimé la première heure. Et après, pour moi, c'est parti en couille. C'est-à-dire que au début, déjà, je savais pas de quoi ça allait parler. Je sais que c'était un film Barbie, parce que bon, bah, il faut vraiment être con pour pas se douter que c'est un film Barbie vu que ça s'appelle Barbie. Mais je savais pas le scénar. Et en fait, il y a un message féministe. Je vais dire féministe, parce que pour moi, c'est pas être féministe là, c'est être féminazie, comme j'aime bien les appeler. Bon, après, c'est que mon avis, évidemment. Ah. Et en fait, ce message aurait pu être beaucoup plus subtil et délicat et tout ce que tu veux. Sauf que la première heure, tout se passe bien. Et après, il y a une espèce de plot twist. Et ça te matraque le message à la gueule que les hommes, c'est des connards, que... Enfin, et tous les types dans ce film ne servent à rien. Tous les mecs sont soit des gros cons, soit des gros cons dans le sens ils ont un comportement de merde, méchant, toxique, tout ce que tu veux. Soit ils sont débiles, soit ils sont personnages secondaires. Alors autant pour les Ken, je peux comprendre que ça soit des personnages secondaires puisque... Dans l'univers de Barbie, bah Ken, on s'en branle en fait. On est tous d'accord avec ça. C'est-à-dire que Ken, il a pas de métier, il a pas de vie, il est juste le mec de Barbie. Et jusque-là, tout est ok. Tu vois ? Enfin, pour moi, c'est logique, c'est pas un problème. Mais, je vais vous spoiler, Barbie va dans le monde réel. Voilà. Elle va dans le monde réel avec Ken. Enfin, un Ken. Avec son Ken, entre guillemets. Et là, les mecs du monde réel sont tous des gros cons. Ou des idiots. Mais, non, en fait. Enfin... Non. Excusez-moi de vous dire ça, mais non! Et en fait, ce que j'aime pas dans ce film, c'est que c'est... Bah déjà, tous les hommes sont débiles.
Alors, autant que, comme j'ai dit, que les Ken soient secondaires, c'est pas un problème parce que c'est des Ken, tu vois. Donc, mais les mecs dans le monde réel, ils servent vraiment à rien, ils sont stupides. Tu as. Il y a les patrons de Mattel, donc les créateurs de Barbie là, qui sont dedans. Ils servent à rien et ils sont débiles! Mais débiles de fou! J'ai... Ah, mais c'est pour ça que je disais, il n'y a pas de coupe, mais oui, c'est normal. C'est normal. Ouh, ça ne te va pas du tout, ma petite Summer. Ils sont complètement cons, les gars. Alors que de base, ils veulent un peu aider. Enfin, c'est un peu chelou ce qu'ils veulent. Mais en gros, le PDG est un fan de Barbie. Et lui, il veut vraiment que les petites filles se sentent bien et croient en leurs rêves et tout ce que tu veux. Alors, Braise, quand tu as une meuf qui, pendant une demi-heure, te dit que les femmes ci, les femmes ça, les femmes doivent être belles, mais pas trop, pendant une demi-heure, je pense que il y a vraiment un message qui veut être passé, tu vois. Et quand ça passe une heure du film, que parce qu'en gros, Ken, dans le vrai monde, découvre le patriarcat, et il se dit, ah bah tiens, c'est marrant, les hommes ici, ils sont considérés. Et si je ramenais ça à Barbieland, sauf qu'il ramène de la merde, quoi. Qui ramène le patriarcat, mais vraiment le cliché du patriarcat. Genre les gros beaufs, les femmes objets, etc. Dans Barbieland. Donc il ramène ça, et quand Barbie revient, elle est en mode, oula, ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout, parce que bah, les Ken sont tous devenus des gros beaufs de merde, miso et tout ce que tu veux, et apporte-moi la bière Barbie, et voilà. Vraiment, hein. Et pendant une heure, c'est Barbie qui déjoue le plan de Ken. Alors en plus, la façon dont elle le déjoue... Bah après, oui, ça va à la sensibilité de chacun, mais... Moi, j'ai trouvé ça lourd, en fait. Peut-être que toi, quand tu le verras, tu diras, bah, c'est un film, Osef. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir que les films, c'est fait pour faire passer des messages. Ça a toujours été. Tous les films, ou presque. Il y en a peut-être qui ne font pas passer le message, mais... Tous les films, ou presque, font passer un message. Même quand tu es tout petit et que tu regardes la Patte Patrouille, il y a toujours des messages, des morales, en général, qui sont glissées subtilement... Pour te dire que mentir, c'est pas bien, tricher, c'est pas bien, ce genre de truc, tu vois. Il y a toujours un message, que tu le comprennes ou pas. Que tu le comprennes pas. Attends, c'est quoi le bon mot? Consciemment ou pas, voilà. Tu comprendras le message, même si c'est pas conscient. Genre, dans Le Petit Dinosaure, quand les trissés et les longs coups se font la guerre... Et que les gosses, ils se disent, bah non, on est cool, quoi, on peut être copains. Tu l'intègres, le message qu'être raciste, c'est pas bien. Tu l'intègres, toute seule. Tu as pas besoin de te faire un débat dessus. Ok, merci, Osk. Bah, tu sais que... Enfin, voilà, t'as compris que, bah, on peut aimer tout le monde et que... Et que les gens qui disent que les autres, c'est des cons parce qu'ils sont pas pareils... Bah, c'est des cons. Tu le comprends toute seule comme une grande. Mais là, en fait, bah, le truc, c'est que ces dernières années, les films, les séries et tout ce genre de trucs ne font plus passer les messages subtilement comme avant. Je sais pas comment décrire, mais... pour te donner une idée, je cherche un bon exemple. Par exemple, le... Attends, je suis en train de faire une absence là.
Bah, dans Barbie, on sait qu'il y a des injustices dans notre monde à propos des hommes et des femmes, et encore, on n'est plus en 1920, quoi. Faut arrêter un peu. On n'est plus en 1920. Les femmes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Même si des fois, c'est plus compliqué, je l'accorde. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. C'est plus autant vénère qu'avant. Alors peut-être aux States, hein, je sais pas. Mais ici, en tout cas chez nous en France, c'est pas... c'est pas aussi vénère. Je veux dire, tu peux devenir PDG, tu peux devenir ce que tu veux. Si tu t'en donnes les moyens. Alors peut-être c'est plus dur. Et aussi le harcèlement, etc. de rue et machin. Ça, je peux pas me projeter parce que j'en ai jamais vécu. Mais je pense bien que c'est relou, tu vois. Donc, faire un message féministe dans le film Barbie, ça aurait été normal, enfin c'est normal et logique d'en faire passer un. Mais le faire comme ils l'ont fait, pour moi, c'est comme si on m'avait mis dans une pièce et qu'on m'avait dit « Regarde, ça, c'est comme ça qu'il faut penser et tu vas penser comme ça. » T'as compris ? Ça, c'est la bonne pensée qu'il faut avoir. Si tu n'as pas cette pensée, tu es une connasse. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. C'est comme ça que je le ressens quand on me fait un message forcé comme ça, pendant une heure. Une heure à dire que les hommes, c'est des connards, etc. Et je suis désolée, mais moi, je suis pas assez dans les délires. Tout est blanc, tout est noir. Je suis trop en mode « oui, mais ». Tu vois ce que je veux dire ? Genre, peut-être que... on va prendre un exemple très très hard. Hein. Jeffrey Dahmer. Un gros connard. Un tueur en série, pédophile, cannibale, tout ce que tu veux. Un taré. Tu le mets comme ça. Tu dis tous les crimes qu'il a fait. Tu te dis, ok, lui, c'est un connard fin. Et là, moi, je vais m'amener avec mon... Oui, mais... Jeffrey Dahmer... Alors, je cautionne pas ce qu'il a fait. Hein. Aucun moment. Aucun moment, on est d'accord. Oui, mais le gars... Déjà, il avait une mère qui prenait plein de cachets quand il était dans son ventre. Donc peut-être déjà ça a déréglé un truc, parce qu'on sait que les cachets, ça fait pas du bien au bébé. Et ensuite, il a eu une vie, une enfance de merde. Donc ça a pas dû l'arranger. Donc tu vois, c'est nuancé. Après, ça ne veut pas dire que c'est bien ce qu'il a fait. Hein. On est d'accord. Ah oui, c'est hard, c'est pour te dire que... Que pour moi, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, tu vois. Bon, après, je n'aime vraiment pas Jeffrey Dahmer, donc c'était peut-être pas le bon exemple. Mais je sais pas si tu vois ce que je vais dire. Du coup, j'avance pas du tout sur cette pauvre Summer. Ah, je vous avais dit que si on faisait des relookings et des reconstructions, j'allais juste passer ma vie à parler. Hein. Je vous avais prévenu. Hein. Et du coup, quand tu me dis un message du style... le patriarcat, tous les hommes sont des connards bons à rien, ils utilisent les femmes, c'est des fils de pute, machin. Bah pour moi ça passe pas. Ça passe pas parce que ce n'est pas vrai. Tu peux pas me faire croire que toute l'espèce homme sont des connards. Et les femmes, zéro connasse. Bah non. C'est peut-être comme ça dans ta mentalité. Pas toi, Brésin. Dans ta mentalité, je parle, un tas général. Dans ta mentalité de dégénéré qui ne voit que deux couleurs. Mais la vraie réalité vraie, ce n'est pas comme ça. C'est... Bah non, tous les hommes sont pas stupides. Tous les hommes sont pas des connards. Tous les hommes ne sont pas des violeurs, des manipulateurs, des je sais pas quoi... Non, non, mais je sais bien que tu penses pas comme ça, bref, c'est juste pour résumer l'idée du film Barbie. Je te visais pas toi, t'inquiète. Mais j'ai l'impression que les gens, ils pensent de plus en plus comme ça. Genre,
C'est soit tout noir, soit tout blanc, et il n'y a pas de, de milieu, en fait. Et voilà, et comme si les femmes pouvaient pas être des grosses putes. Je veux dire, des mecs qui ont souffert à cause des hommes... des mecs qui ont souffert à cause des femmes, vraiment souffert, qui sont tombés en dépression, qui ont voulu se foutre en l'air, j'en connais. Donc faut arrêter 5 minutes d'être débile, hein. Et tous les hommes sont pas des gros agresseurs qui vont siffler une meuf dans la rue. Enfin, ça va quoi, au bout d'un moment. Molo capito quoi. C'est ouf. Moi, franchement, quand on me martèle un message de bien-pensance comme ça, ça me rend ouf. En fait, j'ai bien aimé le film quand Barbie... Bon, je vais vous spoil. Je suis désolée, si vous voulez pas être spoil, partez, ou bouchez-vous les oreilles 5 minutes. En gros, Barbie, elle vit sa vie de Barbie, c'est sa meilleure life, etc. Et puis un jour, en pleine fête, elle dit « Ah, au fait, je pense à la mort !» Et là, tout le monde est en mode oh, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, elle va voir la poupée bizarre, là, qui lui dit « Bah, c'est sûrement que l'humaine avec qui joue avec toi, parce qu'en gros, y a un parallèle entre Barbie Land, où les poupées sont en train de vivre, et elles ont une représentation d'elles en figurine dans le vrai monde. Ton humaine doit avoir... Enfin, l'enfant qui joue avec toi... Ah oui, déjà, c'est ton humaine, tu sais, les petits garçons peuvent pas jouer au Barbie. Bon, bref. On va passer là-dessus. Je pinaille, là. Donc, ton humaine doit avoir des pensées suicidaires, et si tu veux pas devenir une Barbie bizarre... Faut que t'ailles dans le vrai monde pour la retrouver et essayer de résoudre ce problème. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Je pensais qu'il allait y avoir un truc entre Barbie et vraiment son humaine. Et qu'il allait y avoir un truc super beau, quoi. Une belle histoire. Donc Ken vient avec elle et ils sont sur les plages, machin. Enfin, ils arrivent dans le monde réel. Et là, Ken se rend compte que, les hommes ici, ils sont respectés. Enfin, pas respectés, mais disons qu'on les regarde, quoi. Parce que lui, il ne vit que pour Barbie. Et j'ai trouvé ça hyper triste, mais en même temps, c'est vrai. C'est pour ça que les Ken ont été créés, c'est pour être avec Barbie. Donc du coup, il découvre que là, dans ce monde-là, les hommes, ils sont autre chose que... Enfin, ils sont des êtres à part entière. Voilà, on va dire ça comme ça. Et pas juste fait pour. Je sais pas si vous voyez. Bref. Et donc, on apprend que finalement, l'humaine de Barbie, ce n'est pas la petite fille qu'elle a vue dans ses flashbacks, mais sa mère. Et là, je me suis dit, putain, ça va être cool. Ça veut dire que Barbie va rencontrer la mioche et la mère, et elle va faire en sorte que les deux se parlent... Et que peut-être elle communique mieux. Enfin, ça va être un truc de famille. Ça va être un truc beau. Pff. Non. Spoiler, non. Non, c'est juste parti en couille, en fait. C'est ultra parti en couille. C'est-à-dire que... déjà, la mioche, elle envoie chier Barbie en la traitant de facho. Elle te sort une tirade de wok, mais... Oh putain, j'ai envie de rentrer dans le film et de la baffer. J'étais morte de rire, j'étais en mode, mais c'est quoi ça? Sérieux, meuf. C'est insupportable, en fait. Bref, et en fait, non, ça s'est tourné vers le patriarcat, Ken qui essaye de renverser Barbieland, etc., machin... Finalement, Barbie et les humaines réussissent à coup de discours ultra féminazis à raisonner les autres Barbie qui du jour au lendemain sont devenus les objets des Ken. C'est genre, alors que c'est Barbie tous les métiers du monde, Barbie intelligente, Barbie a des médailles de l'intelligence et de ce que tu veux. Et du jour au lendemain, Ken dit « Va me chercher ma bière » et elles y vont.
Genre, elles ont perdu toute notion de réflexion. Ok, déjà, ça, c'est pas crédible pour moi. Ça veut juste dire que les Barbies sont débiles, donc ils crachent dans leur propre soupe. Bref, elle raisonne tout le monde, et puis Barbie Land revient, et c'est trop bien. Et après, elle décide de retourner dans le vrai monde et de devenir humaine. Alors, là, c'est pareil, j'ai pas compris, ça aurait été plus logique que ce soit Ken qui y aille. Ah oui, Ken qui elle a foutu un gros râteau, hein. Voilà. Ken, il lui dit en pleurs, oui, mais moi, j'ai été créée juste pour toi. J'existe pour toi. Ça m'a détruit cette phrase. Genre, j'existe pour toi, c'est horrible. Alors, c'est vrai, techniquement, dans les jouets, mais c'est horrible quand même. Ouais. Ça aurait été plus logique que ce soit Ken qui aille dans le monde humain, en fait, pour se trouver lui-même, parce que Barbie, elle lui dit, mais non, c'est bon, tu peux être toi. Sauf que Ken n'a aucune identité, il n'a même pas de travail. Son travail, c'est plage. Voilà. Ken à la plage. Donc, ce serait plus logique que ce soit Ken qui parte dans le monde réel, en fait. Et pas Barbie. Enfin, bref, je... Je suis déçue de la fin. Je pense que ça aurait été plus intéressant de faire ça autrement. Et quitte à passer un message féministe, de le passer plus subtilement que l'humaine qui raconte pendant 30 heures à toutes les Barbies. Oui, pour être une femme, faut être comme ça, mais pas comme ça, machin, c'est ce que la société veut. On est vraiment des mal-aimés, gna gna gna. Ouais. Bon, tu peux quand même aller le voir, mais si ça se trouve, tu vas dire que j'ai tort, hein. C'est que mon avis, après tout. C'est que mon avis, mais ça m'a déçue, voilà, ça m'a déçue. En fait, je me suis sentie vexée pour les mecs. Et alors, quand j'ai vu sur Twitter, ce qui n'a pas aidé mon point de vue, sur Twitter, toutes les féminazies qui étaient en mode « Haha, les hommes, chais, ça va vous faire du bien, remettre votre ego en place, mais putain, mais... » Merde, en fait. Juste merde. Arrêtez de croire que les hommes sont vos ennemis, au bout d'un moment. Il y a des gros cons, il y a des grosses connes, c'est tout. Il n'y a pas un genre particulier, il n'y a pas une couleur particulière qui fait que vous êtes un gros con. Les gros cons, il y en a partout. C'est de la merde, Barbie, encore de la propagande. Bah, comme j'ai dit, ça aurait pu être sympa. En plus, les décors sont magnifiques, les acteurs, ils jouent super bien, enfin... c'est trop bien, ça t'en fout plein les yeux et tout, c'est génial. Mais la dernière heure, la deuxième heure du film, elle est vraiment, pour moi, elle est indigeste. Pour moi, c'est indigeste. Après peut-être que je suis trop relou aussi, je sais pas, hein, peut-être je suis trop réac. J'en sais rien, sûrement. Mais moi, ça a toujours été, même petite, à partir du moment où tu me répètes un truc à fond, en boucle, ça me brusque et c'est plus possible de parler, en fait. Je veux plus en entendre parler, même si c'est très bien. Bonne nuit, Missou. Merci d'être venu. Désolée pour cette bifurcation-là. Après, je devrais peut-être faire comme Braise et juste en avoir rien à foutre, c'est-à-dire regarder un film et puis Balek. Mais j'arrive plus à faire ça. J'arrive plus à juste regarder un film en mode je pose mon cerveau et je me pose pas de questions. J'y arrive plus. À chaque fois, je dénote tous les sous-entendus et les messages cachés, et etc. Et je peux plus juste m'en foutre. J'y arrive plus. J'aimerais bien. Hein. C'est beaucoup plus simple. Hein. Franchement, la vie est moins chiante quand tu fais ça. Fais comme moi, regarde pas. Bah non, j'avais envie de le voir. Parce que comme j'ai dit, la bande-annonce, elle disait rien en fait. Elle disait juste, bah il y a Ken, il y a Barbie. Et puis c'est dans leur monde et ça a l'air un peu fun. Mais voilà quoi, enfin... Du coup, ça avait l'air fun. Après, Barbie, j'ai pas plus joué que ça. Peut-être que c'est ça aussi.
Peut-être que je suis pas assez attachée à Barbie, j'en sais rien. Moi, j'entends bien que Barbie, de base, c'est des jouets pour filles. Et que c'est pour faire... c'est pour faire un peu rêver les gamines et dire « Regarde, tu peux faire tout ce que tu veux, même si t'es une femme et machin. » Et le message est très bien, de base. Il n'y avait pas besoin de faire ça, en fait. Il n'y avait pas besoin de faire un Ken qui veut faire un patriarcat. En plus, vraiment, enfin, c'est débile. Vraiment, ils sont tous débiles, les hommes, dans ce film. Il y a même... sachez que la gamine et sa mère, là, qui possèdent Barbie, il y a un père. Mais alors, le père, au moment où elles vont à Barbieland, la gamine dit « Ah, et papa !» Et là, la mère dit « Oh, c'est bon, on s'en fout, il s'en apercevra pas. » Et tu vois que le mec est en train de d'être sur son téléphone et d'apprendre à parler espagnol ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est juste pour le faire passer pour un bouffon. Juste gratos. Ils auraient pas dit qu'il y avait un père. Ça aurait été mieux, en fait. Moi, j'attends Napoléon. Bah, moi, je sais pas. Napoléon... Déjà, j'aime pas Napoléon parce qu'à cause de lui, on parle anglais. Voilà. Il aurait pas revendu les trucs, là. Tout le monde aurait été obligé de parler français et vous me casserez pas les couilles avec votre anglais de merde que j'arrive pas à apprendre. J'ai beau essayer, je le lis, je l'écoute, ça ne rentre pas, ça ne retient pas. Mon cerveau dit non. Non. Ça me saoule. Du coup, Napoléon, je t'emmerde. Non, je sais pas. Bref, c'est dommage. J'étais déçue. J'étais déçue que ça soit trop... au final, c'est trop politique. Après, ça aurait pu être drôle que les mecs de Mattel soient des idiots, parce qu'en gros, ça aurait fait vraiment Mattel se fout lui-même de sa gueule. Et là, ça aurait été drôle s'il n'y avait pas eu le message vraiment relou derrière féministe. Ouais, non. Ouais, désolé, mais si je vous fais chier, faut le dire, hein. Vous me dites, Loupi, passe à autre chose, et puis je passe à autre chose, mais lancez-moi un autre sujet, quoi. Bon, Summer, je cherche une jupe, là, mais il n'y a rien qui me transcende l'hélicoptère. Hein. Alors, le crop top. Bah, le crop top, t'as juste pas à foutre ça à des gamines, en fait, c'est tout. Y a même pas de débat à avoir. Mais bon, y a plus d'éducation, alors... Y en avait déjà pas beaucoup à la base, mais là, y en a encore moins. Pourquoi toutes les jupes sont moches? Elles sont soit trop courtes, du coup, j'aime pas, soit trop longues. Y a pas entre les deux, on va lui mettre la mini-jupe de Chouin, là. Ça va pas du tout. Par contre, le fait qu'ils aient mis une mise à jour avec les vernis et tout, franchement, c'est trop bien. Je suis tellement contente de pouvoir leur faire les ongles à tous, là. Que des sujets vénères. Ouais, j'ai perdu tous les spectateurs. Bon, bah après, c'est pas grave. Hein. Par contre, les gars, j'ai été voir Élémentaire, un film de Pixar. Et ça fait un mois qu'il est au ciné, en fait. Il ne s'arrête pas. Personne n'en parle. Et pourtant, il est juste trop bien. Donc, je ne vais pas vous le spoil. Contrairement à Barbie. Je ne vais pas vous le spoil. Mais franchement, si vous avez l'occasion d'aller au cinéma, allez le voir. Parce que Pixar a encore, et Dieu merci, merde, j'ai oublié le mot. Pas le chic, mais... pas le talent, même si ça se pourrait, vu où on en est. La délicatesse, voilà, de faire passer ces messages en douceur.
Et vraiment, ce film est très beau. Voilà. Et j'ai chialé, pour changer. Je chiale tout le temps, donc c'est pas un gros scoop. Donc, si vous avez l'occasion d'aller le voir, Pixar appartient à Disney, oui. Mais Pixar, en se faisant racheter par Disney, a quand même eu la présence d'esprit de faire en sorte que c'est eux qui décident, en fait. Donc ils sont dans le groupe de Disney, mais ils ont encore leur libre arbitre. Et ça se voit, en fait. Donc il n'y a pas de débat à avoir. Si un Pixar sort, allez le voir, parce qu'en général, c'est pas... C'est bien fait. Et pour le coup, Élémentaire ne m'a pas déçu. C'est un très beau film, voilà. C'est tout ce que je vais dire. Je vois pas quoi dire de plus, à part que c'est beau, et si vous pouvez y aller, allez-y. Et contrairement à ce que peut faire penser la bande-annonce, c'est pas centré sur une histoire d'amour. Voilà. C'est un peu plus profond que ça. Sans mauvais jeu de mots. Donc, si vous avez 9 euros à perdre, foncez. Pourquoi je le mets comme chaussure là? Non, c'est gravelé. 3 heures pour rhabiller 3 Sims, on en parle ou pas? Merde, mes médocs. 2 heures, pardon. Mes petits chats sont partis. J'ai dû en avoir marre de m'entendre parler de Barbie. Mais bon, Disney a pas fini avec ses daubes. Hein. J'attends Blanche-Neige, moi. Blanche-Neige. Ah, putain de merde. Non, on va pas parler de Blanche-Neige, on va pas parler. C'est bon, j'arrête de m'énerver, j'arrête. J'arrête, promis. Jusqu'à la prochaine fois. En vrai, ça va. On va lui mettre ça. Est-ce qu'on lui met du maquillage? Je sais pas. Peut-être un petit rouge à lèvres. Mais... Yeah. Oh. Non, pas de rouge à lèvres. Marron Neige et les 7 gens. En vrai, c'est ça, hein. C'est... Bref. Bref, on a dit qu'on n'en parlait pas. Ah, ça, ça va. Oh, le maquillage de pouf, ça va pas être possible, hein. Déjà qu'on a les yeux bleus, c'est bien de mettre du fard marron parce que ça fait ressortir les yeux, ma petite Summer. Personne te l'a dit, ça? Bah moi je te le dis, voilà. Et ce rouge à lèvres hideux là, ça va pas être possible, hein. Ensuite on va te mettre un beau chignon. Un beau chignon, j'ai dit. Non, trop épais. Celui-là. Et le fard à joues, c'est pas possible non plus. Oh là là, cette robe nulle. Cagole. La cagole.
Ah, ça, c'est la robe que j'ai mis à la prostipute dans Lulabi. Celle-là, là. Non, attends, celle-là. C'est magique. Oh, j'ai un coup de barre, j'arrive plus à parler. Bref. Là, je vous ai dit que ça serait long. Hein. Du coup, je sais pas si ça vous intéresse vraiment que je continue à faire ça en live ou pas. Parce qu'au final, comme vous l'avez remarqué, je passe plus de temps à brailler que... qu'à faire mes Sims. Mais c'est vous qui voyez. En vrai, si ça vous embête pas de m'entendre, bah, y a pas de soucis, hein. C'est quel add-on ? Ça, c'est bien ce qui me semblait. Moi, j'aime. D'accord. Oh my god. La tenue de... Le maquillage de pouf, le retour. Se meurt. C'est pas possible, ma chérie. Ah là là, ma chérie, ça va pas du tout. Aïe, 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 aïe. Fais peur. Fais trop peur. En vrai, c'était, je la kiffais à un moment donné, mais elle est pas terrible, hein. Objectivement, c'est pas la plus belle, quoi. C'est ça ta tenue de fête? Non. Le live du thé et des ragots. Ça fait de l'animation. Bisous, mon frère. Bonne nuit. Merci d'être viendu. Tenue de fête, un truc un peu plus fun, là. Je crois que leur maison, en plus, elle est pourrie. Genre pourrie de chez pourrie. Non, ça, c'est pas terrible. En vrai, pourquoi pas ça? Le maillot, on change pas. La flemme. Attends, attends, attends. Moi, ce maquillage pour aller se baigner. Merci. Le crop top, si tu veux. Oh là là. Ah, mais elle est en... En V, Summer. Bah si, on va lui laisser parce que c'est quand il fait chaud, elle est adulte, moi ça me perturbe pas. Hein. Puis là, c'est pas sous les seins non plus. Hein. Brézou, il faut se détendre. Ah ouais, on va lui mettre ce short. Après, peut-être pas cette couleur par contre. Oh, c'est marrant le dégradé, allez. Une sportive active. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais toutes les sportives sont pas taillées en V. Enfin, les lettres, c'est une forme de...
de morphologie. On se réfère aux lettres, mais qui c'est qui me notifie? Qui c'est? Ouf. Braise est très détendue. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, pour le crop top. Par contre, ça, c'est dégueulasse. Ça va pas le faire du tout, hein. Je crois pas, non. Oh, attendez. On va commencer à foutre la merde. J'ai oublié de lui faire un truc. Sa deuxième tenue. La deuxième tenue de nuit de semaine. C'est aussi une chemise de Travis. Hein? Eh, on est parti sur un triangle amoureux. Moi, je vais faire le triangle amoureux, hein. Et il me donne une pâtée, je la mange, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ah, tu me tends une perche comme ça, je vais pas aller voir ailleurs, hein. C'est trop bien. Voilà, bah écoutez, elle est pas mal. Je suis pas convaincue. Mais la jupe est trop courte. Hein. Ça me... j'aime pas. Mais y a rien, hein. Je veux une jupe plus longue, mais pas autant, tu vois. Y a pas genre là. Bon bah je vais lui mettre un pantalon. Non, la jupe était mieux, hein. La meuf sait pas ce qu'elle veut, la meuf sait pas ce qu'elle veut, la meuf sait pas ce qu'elle veut. Cette taille elle est bien, mais il n'y a pas d'autre couleur, bordel! Pourquoi c'est que des mini-jupes là, ras la moule? Ras la moule! Get ça? Elle se penche, on voit son cul! Ça aussi! Oh! Celle-là, elle est mieux un peu, j'ai l'impression. Celle-là. Ah ouais, celle-là. Bon, on va partir là-dessus, hein, parce que je crois qu'on n'aura pas mieux. Allez, go. Donc, 2 heures pour faire 3 Sims. Wouh! Maintenant, on va commencer leur maison. Ouais, ça me saoule déjà. Ouh. Alors, elle se présente comment? Putain, c'est de la merde. Et donc là, c'est là où dort Travis. C'est moche. Oh là là, ce que c'est laid. Oula. Bah c'est dégueulasse, tout est à refaire. Crop, pas top. Et en plus, c'est quoi tout ce terrain inexploité là? Attends, mais c'est une blague. C'est une blague, il y a tout ça qui n'est pas exploité. Donc c'est lui qui s'appelait Gonzesse et il a même pas un lit de place. Va falloir remédier à ça. Hein. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse comment ça va se passer parce que là, on a vraiment une maison de merde avec de la place. Comme on en a... ça me fait penser... Alors, j'apprécie vraiment que vous m'envoyez vos créations et je vous remercie. Mais quand vous prenez un terrain énorme
pour laisser la moitié où il n'y a rien, prenez un plus petit terrain. Ou remplissez votre terrain. Parce que franchement... Ah, c'est vrai que si c'est lui qui rejoint les filles... bien vu, Didi, le petit cochon. je sais pas, là, je me tâte à bouger tout ça. Ouais. Je sais pas. Faut que je réfléchisse parce que pour eux, j'ai pas spécialement d'idée. Est-ce que j'agrandis la maison? Est-ce que je la laisse comme ça et je la relook juste? Je sais pas parce que vraiment... autant ça, ça va. Pardon, je suis désolée, j'ai à moitié le hockey là. Ouais bon. C'est pas beau, mais ça va. Après, en vrai, la cuisine est aussi grande que la chambre de Travis. C'est abusé. Oui, bien sûr que je vais relooker, mais la question c'est... est-ce que j'agrandis la maison? Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que dans mes relookings, je touche au mur ou pas? Au mur extérieur. Non. Ok, donc vraiment, je relook juste, je rénove juste, mais je fais pas de folie à l'extérieur. Bon, là, tu me diras, j'ai juste déplacé la maison. C'est pas pareil. Ok. Bah, je m'autorise quand même d'agrandir ou pas le jardin. Surtout avec la place, là, c'est juste pas possible. Mais retaper l'intérieur, ça va... En vrai, je préfère parce que, franchement... Donc, déjà, ce que je vais faire... c'est que ça, ça va dégager là. Et on va... Hop là. Voilà. On va agrandir la chambre de Travis. Ok, ok, ok. Là, ça doit être sûrement être machine. Ici, c'est Liberty Lee avec toutes ces couleurs immondes qui ne vont pas ensemble. Des vérandas. Oh, pardon. Des vérandas ou des porches. Ouais, alors, faut déjà savoir les faire. Est-ce que c'est écrit... Attends, est-ce que c'est écrit Stéphane Plaza sur mon front? Non, merci. Si c'est pas écrit Stéphane Plaza sur mon front, sachez que c'est normal. Ça, on va faire une grande terrasse. Hop, là. J'ai une idée. Je m'occuperai sûrement de l'extérieur plus tard. Là, je mettrai des fleurs et tout ça. Enfin, je verrai. Alors. Putain, c'est gravelé. Déjà, la poubelle. On met celle-ci. Y a pas à tergiverser. On va la mettre là. Oh, mais tout est moche. Non, on va la mettre là et puis c'est pas grave. Hop. Déjà, ce mur saumon,
Les amis, ça va pas être possible. Là. Ah, j'ai le droit de... J'ai le droit d'ajouter des fenêtres ? Ou de les enlever, j'ai le droit de bouger tout ça ? Juste les murs extérieurs, j'ai pas le droit. Oh, un chaton. Ou les changer, ok. Chaton ! Ok, bon, déjà, pour commencer, je suis désolée, mais moi je vais tout foutre en blanc. Et après, vous inquiétez pas, on mettra des touches de couleur et de... Oh mon bébé. Et de trucs, mais pour le moment... Pour le moment, c'est laid. Alors attendez, je pousse le chat. Instant chaton. Je sais pas, mon bébé. Hop. Il veut pas. Il veut pas, bah oui. Allez, zoom. Oh, t'es chiant. Vous voyez, je le tège et il revient beaucoup plus vite que je ne le tège. Je vois plus, Bibou. Bibou! Non, va pas sur mon... Voilà, merci. Oh, le chat. Pauvre petit chat. Alors, je fous tout en blanc. Hop, hop. Je réfléchis. Je réfléchis. Est-ce que je garde la disposition comme ça? Parce qu'en vrai, elle est pas trop mal. Après, tout est dégueulasse, mais c'est pas trop mal. La cuisine, je pourrais peut-être la réaménager un peu. Peut-être la faire plus petite, parce que vraiment, elle est... Enfin, je sais pas. Où les bibous? Je vois pas le chat, bibou. 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 Je ne vois pas le chat. Tu fais des pièces d'une taille raisonnable. Bah, en vrai, les pièces en soi, c'est correct. Hein. Elles sont pas... Enfin, ça va, ça me perturbe pas les pièces. Là, chacun a sa petite chambre tranquille, son petit espace. La salle de bain, bon, il y en a qu'une, mais ça va, quoi. Ouais, peut-être un peu grande, mais ça va. Ça me choque pas. Bon, le couloir sert à rien, mais... je me vois pas trop faire autrement. Je réfléchis. Ah, ça va être très long, hein, parce que je suis très indécise, moi, comme fille. Hein. À la limite, j'ai une idée. On pourrait... Déjà ce putain de carrelage... Il va dégager parce que c'est pas possible. Tiens, on va mettre un beau plancher. Rougal, va pas éteindre mon PC comme hier. Viens là. Viens là. Hein? Casse-couille. Casse-couille. Hein? Chaton. Chaton. Chaton minou. Oh les bébés. Oh là là. Oh, c'est un chat malheureux, ça. Enregistre, Loupi. De quoi? Quoi enregistre? Ah oui. C'est pas con, ça. Attends, je vois rien. Bibou! Ton cul devant le PC. Devant l'écran. C'est chiant. Oui, oui, je sauvegarde. Oh, merci. Oh. Du beau parquet, on en était là.
celui du ranch, il est trop beau. Ceux qui disent le contraire, vous avez pas de goût. Et je suis pas navrée de vous le dire. Mais c'est dégueulasse. En plus, ce lit, il est trop beau, mais il est inconfortable. Les Sims, ils ont mal au dos dedans. Mon idée à la base était de mettre une table ici, genre collée là. Et les trois chaises comme ça, mais ça va pas passer. Donc, je peux peut-être mettre une table comme ça. Et mettre trois chaises ici. Pourquoi ça va pas? Bon, ici, je peux pas à cause du rideau, je pense. Voilà. Bon, pas cette table, évidemment, et pas ces chaises, mais... Mais vous voyez l'idée. Mais en fait, cette cuisine me paraît vraiment disproportionnée par rapport au reste. Enfin, elle est belle et tout, mais déjà, le bar, je sais pas s'ils vont s'en servir. Ici, on n'aurait pas un plus petit, parce que celui-là, il est vraiment immense. Le même style, mais en petit. Pas sûr qu'il y ait le même en petit. Au pire, c'est pas grave, c'est pour essayer. Ah oui, mais oui. Okay. Hop. Bon, là, évidemment, rien ne va ensemble, on est d'accord. Comme ça. Là, concrètement, sa chambre est assez grande pour avoir un lit double. Et après, j'ai peur qu'elle soit disproportionnée. Sachant que celle de, comment ça s'appelle, Machine Summer est un peu plus petite. Et celle de Liberty un peu plus grande, mais biscornue, on va dire. Donc ça me va, là, la place. Mais c'est juste la cuisine en longueur comme ça que je trouve très laide. Mais ça, ce n'est que mon avis, évidemment. Hop, voilà, déjà ça dégage. Je pense que je pourrais peut-être faire un truc du style. Hop. Le frigo ici. Mais bon, je suis pas convaincue. Pardon. Un truc comme ça. Et là du coup ça fait quand même plus de... Je sais pas, ça respire un peu plus.
paraît pas mal. Oui, non, mais ils sont juste temporaires. Je pense que je vais laisser ces meubles-là, mais je changerai la couleur. Là, c'est temporaire. J'ai pas de code couleur encore, donc je pense que je mettrai un truc un peu neutre. Vu qu'ils sont trois, on va pas commencer à mettre des couleurs extravagantes. Enfin, je sais pas, je vais voir. Mais c'est un peu pour la disposition. Enfin, tu vois bien que de toute façon, rien ne va. Ça va pas du tout. Enfin, rien ne va ensemble. Avec la table bleue. Ouais, elle est dégueulasse cette table. Elle vient d'où, sérieux? Elle vient d'où cette horreur? Ah, elle vient du jeu de base. Ok, bah elle est dégueulasse. On a dû la voir dans une match gratuite ou je sais pas quoi, mais elle est grave laide, hein. Elle est dégueu. Hein, mon bébé? Bah oui. Ah mon bibou. Donc ça c'est pas mal. Alors lui il doit être bien pour regarder la télé. Il doit pas du tout se tordre le cou. Donc ça serait plutôt là. Bon les décos on verra plus tard. Ça serait plutôt comme ça. Peut-être qu'ici on pourrait mettre un petit bureau. J'en mets un au pif hein. Ouais bon j'ai pas mis le plus beau évidemment. On peut mettre un petit bureau, ouais c'est pas mal. La bibliothèque, on peut en faire une plus jolie. Ah, attends, attends, je sais les gars, là je suis chaude, là ça y est, ça vient dans ma tête. Ici, une commode d'entrée pour poser son bordel. Je sais jamais où c'est par contre. Surface, on va être là-dedans. Genre un truc comme ça. Et comme ça, ils peuvent mettre leur merde avec un petit miroir pour s'admirer. Ah d'ailleurs, à ce propos, enfin à propos de la série, enfin du let's play, enfin de... Ouais, si, de la série. La commode d'entrée. Mais oui, merde, la commode d'entrée où tu mets toutes tes merdes là, tes clés et tout. Tout le monde a une commode d'entrée. Tout le monde devrait en avoir, en tout cas. Qu'est-ce que je disais? Oui, à propos. Remarque, il y avait celle-là. Bon, c'est pas grave. Est-ce que... Une fois que j'ai relooké la famille, on joue un peu avec? Ou est-ce que... on passe à une autre? Ce miroir est moche. Tout est moche, de toute façon, là-dedans. Les rideaux là qui donnent envie de te suicider avec, c'est pas possible. Hein. On va en mettre des mieux, hein. Parce que là, c'est non. Travis, tu vis dans le noir. Je sais que t'es un geek, mais quand même, la lumière, frère. On joue un peu. Ok. Bah, écoutez, je pense que mercredi, je vais continuer. Je vais peut-être continuer la construction de mon côté. Et mercredi, on pourra jouer un peu avec parce qu'en plus, ça y est, j'ai des projets pour eux. C'est pas prêt, hein. On va faire un peu de merde, hein, je pense, mais... Mais bon, c'est pour ça que vous venez, je suppose. Hein, pour le meilleur et surtout pour le pire. C'est comme ça que j'ai décrit le truc, hein. On vient pour toi. Oh, c'est mignon. Oui, mais vous venez aussi pour mes conneries, j'espère. Parfait message. Ouais. Non, mais c'est dommage pour Barbie. Après, c'est peut-être juste moi, hein. Je sais pas. Bref. En vrai, allez le voir si vous intéresse et faites-vous votre propre avis. Je suis pas... Je suis clairement pas la meuf qui pense mieux que les autres, hein. Je suis assez radicale dans des fois, donc... Bref, en tous les cas, même si je fais des créations ou des relookings sans vous, je vous les montrerai dès que je relive dessus.
Et par contre, pour jouer avec les Sims, je le ferai avec vous. Je l'ai relancé sur ma vie. Non, mais non, non, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, c'est bon, j'ai fini. Je pense que je vais mettre des fleurs. Bah, attendez-vous à ce que ce soit fleuri, hein, parce que moi, je veux de la couleur, je veux des fleurs, tout ça. Je veux des fleurs. On pourrait peut-être... Une petite serre, là, toute petite. Je sais pas. Bon, je vais réfléchir. La cuisine est immonde, on est d'accord, ça c'est immonde. Mais la disposition est pas mal, ils peuvent y aller. On devrait peut-être mettre un truc sous la télé. Genre ça. Ouais, un autre truc, mais... Voilà, t'as compris. Petit paillasson d'entrée. Faudrait que j'aille chercher le porte-manteau que je ne trouve jamais. Et les chaussures. C'est dans le désordre, mais alors où? Le perroquet et les chaussures. Les chaussures, il y en a là. Il y en a là. Il y en a là. Hop. Mais je pensais plus aux autres. Oh, ça me saoule de chercher pendant 15 ans. En plus, on peut pas relever le truc. Franchement, c'est chiant. Ah, il est là. Le perroquet. Et le porte-parapluie aussi. Ça, on peut les mettre là-dessous. Non, on peut pas parce que c'est de la merde. Bon, on les mettra là-dessous plus tard. C'est pas ça que je voulais. Voilà, c'est vous que je voulais. C'est toi, Kayave. Et juste ici, là, là, un petit géranium. Bah ouais. Attends. Je sais, je commence à avoir des idées pour l'extérieur, donc ça, c'est bien. Bon. Travis, t'es un gamer avec ce PC, tu nous l'as fait pas à nous. Hein. Non, 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 mon gros, on va te mettre un vrai PC de gamer, ça va être autre chose. S'il te plaît, celui-là, bah il veut même pas. Comment ça me gonfle? Celui-là ou celui-là? Quand même. Quand même, là, là c'est mieux là. Bon, après t'es carrément trop près de l'écran. Mais c'est un détail. Quoique celui-là, il a quand même deux écrans, hein. Attends, on va te faire du streaming. Voilà. Oh, c'est ridicule. Pourquoi j'inclus pas quelqu'un avec moi? Parce qu'après, je vais lui parler qu'à lui et je vais pas lire mon chat. Et puis, j'ai pas envie de... comment dire... De frustrer les gens qui voudraient venir et qui viennent pas. Et en plus, je préfère qu'on débatte tous ensemble, pour le coup. Enfin, je veux dire, vous êtes déjà en train de réagir à ce que je dis. Donc, y a pas besoin que vous soyez en vocal avec moi. Je sais, Braise, c'était une façon très subtile de dire que tu veux voc avec moi pendant que je live. Peut-être un jour, pourquoi pas, mais... C'était pas pour moi, c'est pour un ami, c'est ça. mais en vrai, bah quand j'ai quelqu'un en vocal, je suis plus concentrée sur la personne en vocal. C'était pour un pote, exactement. Mais c'est un peu bête, parce que déjà on n'est pas beaucoup sur le chat. Et j'arrive à rater certains de vos messages. Donc autant que je sois concentrée sur vous, non? Peut-être plus tard, mais je pense refaire des lives, si les gens sont d'accord, sur des jeux en multi. J'aimerais bien refaire un Stardew Valley avec des gens, tranquille, peinard, mais il faudrait que je vois s'ils sont d'accord, quand ils sont dispo, etc. Oh mais je te crois, t'inquiète. Mais voilà, ça va pas se faire tout de suite. Enfin, j'y songe.
Mais après, ces fenêtres sont insupportables. J'y songe sérieusement à refaire des trucs en multi. De temps en temps, en tout cas. Je te jure, hein. Oui, Braise. T'inquiète. En vrai, je m'en fous. Tu peux même demander pour toi. Enfin, je vais pas te bouffer, quoi. Mais tout est moche. Tout me semble moche aujourd'hui. C'est quoi la différence? La différence, pardon. École d'art déco, fenêtre avec pierre et rebord. Ben, c'est quoi la différence? Seriously? Et je l'ai debunk, ce putain de pack, au lycée ou pas? Je crois pas, hein. Je crois que je l'ai regardé dans mon coin. C'est une blague? C'est une blague. C'est quoi ce doublon? C'est quoi ce putain de doublon? C'est peut-être pas les mêmes couleurs? Non mais si, c'est juste parce que c'est pas les mêmes couleurs. C'est les mêmes couleurs. C'est une blague. Fenêtre courbe. Hein? Est-ce que, genre, celle-là, tu peux les mettre sur les murs ronds et pas les autres? Non, mais c'est du foutage de gueule. Un peu de vaseline, m'amour. Je pense que je devrais peut-être faire des tests de Pâques avec vous. Que je n'ai pas fait. Que j'ai fait seule dans mon coin. Mmh, ça pourrait être pas mal. Dans le Hugues, bébé. Oh là là, mais écoutez, pour nous réconforter, je vais vous montrer un truc. Je repasse la vitef. Hop. Regardez cette pauvre bête. Mon bébé. Voilà. Le pauvre chat, lui aussi affligé par ce doublon. Vraiment, vraiment, il est... Tiens, vous voyez, dites-vous bonjour. Vraiment, souffrance. Blasitude. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis bon. Oh là là. Je vais envoyer ça à EA. Voilà comment vous rendez mon chat avec vos doublons de merde. Pauvre bête. Repose en paix, Bibou. EA t'aura eu, toi aussi. Ah, n'importe quoi. Quel malheur. Quel malheur. Quel malheur. Bref. Bref, donc, c'est moche et c'est des doublons. Hop. Enfin, c'est moche. En vrai, ça va. Hein. Ça pourrait passer. En plus, ça fait une belle lumière. Hein. Comme ça. Mais pas cette couleur. Ah, mais toutes les couleurs sont laides. En blanc, en noir. Mais, je sais pas. Quelle intimité, bah oui. Pauvre petit chaton. Si triste. Bon, je verrai les fenêtres plus tard. Attendez, parce que... Voilà, voilà. Alors ça... Ça, c'est moi quand je construis. Je commence un truc, je vais ailleurs, je vais ailleurs, je vais ailleurs. Je reviens sur mon truc, puis je repars ailleurs. C'est incroyable. C'est insupportable. Je...
un sup. En noir, c'est pas top. Bah moi, j'aime bien. Tu vas faire quoi? Tu vas venir chez moi et mettre une autre couleur? Sinon, en blanc, hein, ça passe aussi. Hein. C'est incroyable, ça. Le nombre de fois d'aller-retour que je fais, c'est insupportable. Bon. Écoutez. J'aurais dû prendre un screen des trois avant que je les relook. Oh, je suis con. J'ai pas pensé. Bon, ça me rassure si vous êtes pareil. Enfin, ça me rassure. En soi, je m'en fous. J'ai envie de dire tant que le travail est terminé. Mais c'est quand même un peu relou. Puis là, en plus, comme j'ai pas tous les trucs et que je vous parle en même temps, ma concentration n'est pas au max. Je réfléchis. Le mec a deux miroirs. Ça se passe comment dans ta tête? Genre, t'avais pas de cadre, t'as préféré mettre un autre miroir. Oh là là, Travis. Oh, tu me fatigues. C'est vraiment, on dirait vraiment la chambre d'un ado, quoi. C'est pas un étudiant, ça. C'est un putain d'ado. Alors, j'ai rien contre les ados, hein. On a tous été ados. Mais là, c'est vraiment nul. En plus, la lumière rouge, là. Qui coup de merde. Ah, c'est gratuit, le pauvre. La mère. La musique asiatique, là, elle était sympa. Oui, oui, je sais, mamie. Je vais le faire, t'inquiète. On te déconcentre, c'est ça. Non, non, c'est... Enfin, si, peut-être un peu. Je sais pas. Non, mais en fait... À la base, j'avais pas d'idée pour cette maison. Du coup, tout bouillonne et puis là, ça commence à venir, mais dans tous les sens. Donc, c'est le bordel. Je cause beaucoup, c'est pas facile. Bah, Braise, c'est un peu mon taf en fait de répondre et de jouer en même temps. Alors, il y a des fois ça marche bien, et d'autres fois ça marche pas. Par contre, je me suis réentendue, parce que j'ai été fouinée dans les anciennes vidéos de Lulabi pour voir si je donnais l'ancien hashtag pour aller récupérer des créations, bref, on s'en fout. Et vraiment, j'ai l'impression que ma voix a changé. Pas tant la tonalité ou quoi, mais l'intonation peut-être. Genre, j'ai l'impression qu'avant, j'avais l'air joyeuse et contente, et maintenant j'ai juste l'air d'une vieille aigrie. Je sais pas ce que vous en pensez, franchement, allez voir mes vidéos il y a 4 ans, enfin plus de 4 ans même, le premier épisode de Lulabi, ça date sa mère. Et ensuite, revenez voir une vidéo récente, et vraiment, je sais pas, c'est parce que j'ai vieilli, ma voix a vieilli, parce qu'ils m'ont niqué les cordes vocales, parce qu'il y a eu une greffe, parce que je suis tout simplement devenue une vieille aigrie, mais j'ai vraiment l'impression que la dynamique a changé. Je sais pas trop. Ouais, les hashtags étaient bons. Tu
tu es un plus en mode rageuse. Ah, je suis plus en mode rageuse. Mais j'ai pas l'impression de rager vraiment. Mais je dis juste les trucs qui me tiennent à cœur. Et j'ai remarqué que quand je parle de trucs qui m'intéressent ou me touchent, enfin quand je suis sérieuse tout simplement, quand je suis sérieuse, ma voix est plus grave. Alors pas genre méga grave et ça s'entend, mais elle est plus posée et quelque chose. Tu fais plus de débat, on va dire. Oui, bah j'ai envie de parler avec vous, quoi. Après, en général, je suis souvent toute seule à parler. Mais ça, c'est un autre sujet. Parce que vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, hein. Je sais que quand je parle j'ai l'impression d'être méchante, mais ah, ma voix a changé, on est d'accord, mais je sais pas si c'est vraiment ma voix ou si c'est le ton, je sais pas. Après, est-ce que c'est grave? Je suis pas sûre. Pas. Vous préfériez... C'était mieux avant ou pas? Est-ce que Lupina, c'était mieux avant? T'es moins sympa, certainement. En vrai, tu dis que tu déconnes, mais c'est probablement vrai. Et ça m'étonnerait pas que ce soit vrai, en fait. Je sais pas. Je sais pas quoi mettre comme fenêtre. Non mais c'est les mêmes, frère. Au bout d'un moment, on se fout de qui là? On se fout de qui? Et j'ai un bug et ça me fait des doublons du truc au lycée ou quoi? Attends. Ah non non, ils se foutent vraiment de notre gueule. C'est quoi la diff? Fenêtre courbe, je comprends pas. Fenêtre courbe. Je comprends pas. T'es moins patiente, t'es moins dans l'empathie. Moins patiente, oui. Bah après, j'ai jamais été très patiente de toute façon. Dans l'empathie, c'est vrai. Je garde ça pour mes amis, en fait. Mes amis, mes proches, ma famille, ce que tu veux. Les gens random, c'est compliqué, quoi. Tu vas réagir plus vite, je sais pas. J'ai toujours été impulsive, hein, Braise. J'ai pas... J'ai pas l'impression d'être plus impulsif qu'avant. Au contraire, je me suis même calmée entre le après ma greffe et maintenant. Parce qu'on parle pas de la période après la greffe où j'étais en dépression et du coup je suis partie complètement en couille. Et là, je me suis quand même bien calmée. Sinon, j'aurais pas repris les lives. Et aussi, j'ai plus envie de me prendre la tête pour des cons. C'est peut-être ça aussi. Qui fait que... Que j'ai l'air moins sympa, comme on dit. C'est laid. C'est très laid. C'est très très laid. C'est très laid. Mais alors pourquoi? Ça m'intrigue le truc courbe, là. Attendez. On va essayer de faire un truc que je n'ai jamais fait. À savoir... Un mur rond. J'ai aucune idée de comment on fait un mur rond. Vous avez déjà fait un mur rond? Je sais que c'est possible, mais j'ai aucune idée de comment on fait. C'est ça. Prends en charge les murs courbes. Ah ben c'est ça. Mais comment on fait un mur courbe? Un mur courbe. Déjà rien que le nom est nul. C'est ça? Non, c'est pas ça. Bah. Mais enfin. Comment on fait un mur rond?
J'ai vu que c'était possible d'en faire, je sais toujours pas comment. Faut aller dans le mur. Bah j'y suis. Je fais un mur ou je prends ça là, pièce arrondie. Mais c'est pas arrondi ça, frère, c'est... Ah si. Ah. J'ai rien dit. Ok. Ok, donc notre magnifique machin courbe là. Alors, j'ai bien compris. Les mecs, au lieu de faire une seule fenêtre qui prend en charge les murs courbes, il y en a un qui prend et pas l'autre. Ah ouais. Ah, c'est bien les Sims. À moins que... Attendez, qu'on soit pas médisant. On va prendre celui-là. Ah non, c'est juste de la merde en fait. Je me suis dit peut-être qu'ils ont fait une mage en rajoutant dans tous les packs une fenêtre mur courbe. Mais non, c'est juste de la merde en fait. C'est juste de la grosse daube. Regarde les fenêtres de chien et chat, on peut aller se brosser pour faire... Oh, quelle grosse merde. Ça mérite un petit single. Les Sims 4, oui c'est vraiment de la merde. De la merde! Oh, incroyable. Alors attends. Qui prend en charge les murs courbes? Il n'y a que ça. Les mecs. Les mecs, vous avez fait la possibilité de faire des murs ronds dans une mage et il y a littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 fenêtres qui vont dessus. Dont 3 du jeu de base. Ah ouais! Non, pas de vaseline parce que j'ai envie de dire c'était une mage gratuite. Au moins, on n'a pas payé pour ça, quoi. Ouhouhou. Ah là, il y en a plus. Pourquoi il y en a plus, là? C'est quoi la diff? Les grands murs. Oui. Ok. Ah, c'est stylé, ça. En vrai, c'est vachement stylé, hein. Faudrait que je fasse des maisons rondes. Ou un quartier avec des maisons rondes. Non mais en vrai les frères ils abusent. Hein. Ah ça c'est bien. Ça, c'est pas du tout bugué. C'est bien. Lol. On prend en charge pas trop quand même. Hein. MDR. 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 Ouais, bah c'est les toutes petites qui vont sur un carreau en fait. Oh, quelle bande de merde. Excusez le terme, mais regarde, même là c'est buggé. Ça marche bien sur ce côté, mais pas l'autre. Ah, si, pardon, c'était mal mis. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai été médisante. Bon, merci. Ah là là, et ça ne marche toujours pas pour cette fenêtre. Bon. Allez, c'est bien gentil, toute cette merde. Hop. Bon. En vrai, je commence un peu à fatiguer, donc, hop, on va se laisser là, je pense. Je continuerai peut-être la construction de mon côté,
Et puis mercredi prochain, peut-être on pourra continuer si vous voulez. On pourra peut-être jouer avec les oufs là, les trois oufs. On va jouer un peu avec et après peut-être qu'on pourra prendre l'eurolooking de d'une autre famille. On verra. Regardez, je me fais une moustache. J'ai 5 ans. On verra ça. J'espère que ça vous a plu, ce premier épisode. C'était sympa, même si j'ai plus parlé que... Oh là là, ce pauvre chat. Oh, je vous jure, il est mal, là. Oh là là, il s'endort, mais il a les yeux à moitié révulsés, pauvre bête. Oh, quel malheur. Quel malheur. On se retrouve vendredi pour le sang bébé. Et puis voilà. Sur ce, passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne fin de semaine et tout ça et tout ça. Des bisous, des paillettes. Et puis, à plus. Bisous!